Salut à tous, c'est Go et on se retrouve sur Evoland pour le rush de ce jeu. C'est-à-dire que je vais faire tout le jeu d'un coup, voilà. J'y passerai le temps qu'il faudra. Ok, débloquer, touche droite, on dirait qu'il y a un coffre par là. Ok. C'est un jeu que vous m'avez conseillé. Ok, touche gauche, il faut bien varier le plaisir. C'est un jeu que vous m'avez conseillé. Aurélien Chambon me l'a conseillé. Et oui, parce que là, c'est bizarre parce que quand je vais à droite, enfin, vous voyez, j'appuie et continue d'avancer même quand j'arrête. Enfin bon. Mais la conseillère m'a dit surtout ne regarde pas ce que c'est, achète-le juste et fais-le. Bah écoutez, ce qu'on va faire. Alors, enfin, vous voyez où vous allez. Oui, merci pour le scrolling. Je sais juste quand même que ce jeu est... Bah, excusez-moi de lire la description Steam quand même avant d'acheter un truc. Ce jeu, c'est censé être un jeu en gros où on évolue, c'est-à-dire ça commence comme ça, là, avec des graphismes très rétro et au final on devrait finir en 3D, genre Crytek, CryEngine, quoi. Ok, là je passe mon temps à ouvrir des coffres. Ça vous évitera un mal de tête. Scrolling homogène. Ah, merci. C'est gentil. On est dans le monde de Pokémon ou quoi? Je reconnais cette plante là. Bon, on avance. Et apparemment, le jeu il est très bien puisque vous me l'avez conseillé et vous me l'avez bien vendu donc il doit être pas mal. Il y a plein de coffres que je peux pas ouvrir là, ça me fait un peu rager. Ah, épée. Couper les buissons, yes. Yes. Ah, ok, c'est entrée pour couper. Voilà. Allez, go. On va voir ce qu'il donne. Les jeux indés de toute manière. Ok, c'est pas un buisson. Toi, tu es un buisson. Tu n'es pas un buisson. Tu es un enfoiré. Je me casse. C'est un buisson. Ah. 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 Je suis sûr que je pourrais faire le tour pour récupérer l'autre, mais je m'en fous. Attention à ne pas les toucher. D'accord, au revoir. Musique. Ah, merci. Point de sauvegarde. Ah, merci. Une évolution qui a changé le jeu pour toujours. Oh, d'accord, ça retrace vraiment l'histoire. D'accord. C'est cool, partie sauvegardée, tout votre stress disparaît. Merci. Ah, j'aime bien la musique en plus, donc c'est un point positif. Positif. La boule gagnèche. Nanana, j'aime bien la musique. Ça fait longtemps que j'ai plus entendu une musique comme ça. Où je vais là? Ah, ok, je peux. Oh oui, je marche dans le désert. Je vais traverser du désert quoi. Ah, ah, merci. Tout de suite. Ok, c'est Zelda en fait. Ouais, c'est Zelda. Vous avez pas m'aimer, mais j'ai jamais joué à un Zelda. Enfin, pas en jeu Flash. C'est honteux, j'aurais jamais dû dire ça. Non, mais j'ai jamais joué à un Zelda. Bon, mais voilà. Voilà, maintenant j'y ai joué. J'ai joué à Evoland, donc nom de Dieu, c'est bon. Oh, je suis vraiment nul. Ah, vous êtes sérieux? Vraiment, menu principal. Mais je suis vraiment si nul que ça. Je suis mort au... Ok, je suis mort au début du jeu. Bah, allez, c'est cool, hein. Je crois que les développeurs ils auraient jamais pensé qu'un trisomique mourrait au début. Ah merci. Allez. Je savais pas aussi, on n'avait pas de vie. Normalement on a des cœurs là, nom de Zeus. Allez tiens, tu vas y passer toi. Je vais arrêter de les traquer parce qu'ils me font trop de mal ceux-là. Ah. Espèce de. Nouveau coffre. Non, je ne peux rien. Oula. Hello. J'ai peur de crever. J'ai peur de crever, c'est terrible. Descendons. Non, je peux rien faire dans ce jeu. Le mec le gros rageur. Bon, écoutez, on continue d'avancer. Ah, un point de sauvegarde, ça va. J'ai eu tellement de mal à venir jusqu'ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai trouvé le titre. Yes. Yes. Après des siècles de paix, un mal ancien a ressurgi et menace le monde des... L'Evolandia. Le monde de l'Evolandia, d'accord. Vous êtes l'un des rares membres de l'ordre des Chevaliers Dragons. Votre but est de parcourir le monde pour aider le peuple et combattre le mal. Ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à votre goût, mais on dirait que les affaires reprennent. Ouais, parce qu'on vit des siècles, on est comme ça. D'accord, mais ça c'est quand même un gros background. Ouais, j'aime bien l'histoire. Une originalité, d'une originalité stupéfiante. Oui, j'ai vu ça, merci. Merci de le préciser, merci. Bonjour. Ah. Trouver toutes les étoiles des volants. Ouais, bah il y en avait sûrement une au début, mais bon, fuck it. Si je peux sauvegarder. Voilà, parce que je suis un espèce de noob. Bon, d'accord, alors je suis content. Pourquoi est-ce que je reviens là, moi? C'est pas ça qu'il faut que je fasse, ça. Oh là. Non, non, par autre. Oh là, c'est. Game Boy Color là. Je sais pas, j'ai eu que la Game Boy Color. Ah non, j'ai eu la Game Boy Advance aussi, faut pas déconner. Après. Je suis un peu rétro-man quoi. Les jeux rétro et moi, ça, on se connaît quoi. J'ai pas joué à Zelda, je veux dire, enfin voilà. Oh. Presque à des vrais graphismes. Ouais, vite fait. Non, le gros troll. Allez, meurs. C'est bizarre en fait parce qu'il continue d'avancer même quand on lâche. J'imagine que c'était comme ça. Ouh. Donc il faut bien calculer son coup. Ça tombe bien, vous savez lire ces trucs. Ah, merci, un panneau.
Ce chemin est réservé aux aventuriers agiles. Bah écoute, je suis agile et je suis un aventurier, donc go. Par contre, j'ai eu un point de sauvegarde et j'aurais bien aimé l'atteindre, ma foi. Bon bah si les monstres ils sont trop cons pour m'aggro, j'ai peut-être trouvé l'intelligence artificielle dans un coffre, non? Mouvement libre, d'accord. Passage bloqué par la pierre dimensionnelle, ok. Essayez le chemin vers l'est. Très bien. Ok. Chemin vers l'est. Peut-être par là. Ah! Ouais bah oui, bah tu m'étonnes, vu comme je joue bien. Déjà on me dit l'est, moi je pars à gauche. Débile. Profond. Ah! Ça va, je recommence pas à 50 km. Je dois retrouver tout le tutoriel encore. Allez, donne-moi la couleur. Et si je le ramasse pas, qu'est-ce que ça fait? Le jeu. Hop, hop, hop. Oh, j'ai cru que j'allais esquiver. Ils sont trop durs à prévoir. Eh oui. Oh putain. J'allais me foutre de sa gueule et je crève. Bon. Attendez, attendez. Non, partez pas, restez. Je vais m'améliorer. On y croit. Merci. Je suis content de savoir qu'ils sont rouges. Tiens. Saleté, hein. Vengeance du démon. Ah mais je peux aller là, ok, je suis un troll. Ah non, je ne peux pas. Et oui putain, j'ai essayé d'aller là mais c'est chaud quoi. On peut pas débloquer le mouvement. Ah bah le mouvement libre c'était là-bas, nom de dieu. C'est pour ça que je pouvais pas y aller avant. D'accord, tout se met en place, en fait il me faut les mouvements libres pour aller au point de sauvegarde. D'accord. Là je comprends. Oh putain, il a failli me buter encore lui, il a failli. Va te faire foutre. Merci. Un panneau, je suis heureux. Ils en ont mis de partout. Allez. J'ai peur. C'est un jeu d'esquive. Merci. Ah. Ah yes. Là il bouge comme il faut. Ok. Donc c'était fait exprès. J'ai eu un peu peur au début. Boum. Biatch. Je veux juste aller là maintenant. Voilà. Là j'aime bien se balader. Oh. Allez, j'aurais pas dû faire ça hein. Qu'est-ce que tu veux toi? Ah oui, toi t'es méchant. Bah comment je peux le savoir? Tu fais rien. Ouah. Je l'en mets au menu à chaque fois. Je vais chialer au bout d'un moment. Ta-da-na. Je vais peut-être pas les attaquer tout de suite. Inventaire. Oh, attention. J'ai une épée. Oh, yes. Je peux avoir un arc et autre chose, apparemment. Bon, bah, je vais les buter alors. Tout le monde ferait ça, de merde. Tout le monde les butera. Crève, vengeance du démon. Va des rétro. Va des rétro. T'es invincible. Saleté, saleté. Ah, yes. Il arrête pas de se protéger. Voilà, protège-toi de ça. Va des rétro. Vengeance. Ok, là, il va se protéger. D'accord, j'ai compris. Je comprends les mécanismes. Boum. Voilà, tuer les monstres vous permettra souvent de progresser, merci. Ah, ok. Ah, je peux bouger comme ça, d'accord. Écoutez, moi je mets un des sentiers parce que je suis comme ça. C'est trouvé bataille tour par tour, un nouveau style de combat. Ah, merci. Oh putain, Pokémon. Attaque. J'ai aucune attaque, celle délire. Yeah. Aïe. Objet. Retour. Attaque. Boum, je te fais 9 maintenant, tout à l'heure je t'ai fait 6, normal. Ça risque de durer longtemps cette connerie, non? Allez, attaque. Yes, yes. 50 glisses. Merci. Merci, merci. Ah, quoi d'autre? Ah, eh bien c'est vraiment excellent là, j'aime bien ça retrace l'histoire. Oh, ah. Ça me fait peur, le son est tellement... Deux slimes. Allez, boum. Oh, 10. Merde, aïe, aïe, aïe. 66 PV, le chiffre du démon presque. C'est pas s'il y a une virgule derrière, donc si ça se trouve j'ai 666. Aïe. Boum. Birch. Yeah, sans glisse. Da-na-na. M'a fait peur ce connerie. Pourquoi c'est remis comme ça? Nom de lieu. Nom de dieu. Presque aussi bien Google Maps, ça ils sont drôles. Nom de lieu, c'est quoi ça? Ah. Nom de lieu. Sur la map j'imagine. Alors vous, je veux pas vous tuer tout... Oh, je vais pas devoir tous vous tuer pour avancer ici. À moi, le point de sauvegarde, oui. Bonjour, je monte. Ah. La carte slime, nouvelle quête pour jouer au Double Twin. D'accord. J'ai peut-être un inculte de pas savoir ce que c'est. J'expose toute ma culture que je n'ai pas, c'est ça qui est bien. Je montre aux yeux du monde que je n'ai aucune culture vidéoludique. C'est pas mal. Oui. Oui, bon, bah il faut que je vous tue quoi. J'ai bien compris. Vous êtes 4 hein, quand même. Ok. Calmaté. Oh. C'est bon. Non. C'est mauvais ça. C'est mauvais. Il peut pas attaquer lui quand même. Il n'y a pas d'attaque si. Il me poursuit. Ah, saloperie. Non, ça va. Il est con. Il a une cape ou une épée. Ouais, c'est une épée ou une cape. Quel con, j'arrive à crever quoi. C'est pas possible ça. Ok. On va mieux s'organiser. Boum.
tellement mieux organisé. Et putain, je savais qu'il allait faire ça. Bon. J'ai cru que j'allais crever, j'allais dire. Je parle bien la France. Meurs. Vengeance du démon. En tout cas, c'est intéressant de découvrir nouveaux mécanismes de gameplay au fur et à mesure, si je puis dire. Me tourne pas le dos. Voilà, grave erreur. Meurs. Non, je vais... J'aime pas... Putain! Pas vrai, ça. Allez. Putain, je suis aussi bon qu'une loutre de Tchécoslovaquie, quoi. Allez. Ne me demandez pas d'où je sors la loutre de Tchécoslovaquie, je la sors, c'est tout. Attends, toi, tu vas te calmer. Voilà! C'est bon, easy. C'est bon, là, j'ai joué Walking the Dark et Meat Boy, donc on va peut-être se calmer. Je vais pas me faire battre par trois pauvres chevaliers. Voilà. Coffre ouvert. Tuer les monstres débloque parfois des trésors. Merci de me le redire. Ah, j'ai ouvert un coffre. Ah, je suis content, tiens. Donc ici, en fait, ça ne sert à rien. Ah si, bonjour. Ok, toi, je t'ai déjà eu, mais j'ai oublié de sauvegarder après. Là-haut. Non, pas de passage. Mouvement libre, mon cul. Il sait même pas marcher par-dessus une roche. Ah, un coffre. Hello. Village. Oh! Pourquoi est-ce qu'ils ont tous des musiques aussi ennuyantes? Je ne sais pas. PNJ, ah bonjour. Oh, t'es grand papa, moi, tiens, je suis une merde. Désolé, je ne parle pas aux enfants. Oh, je suis pas un enfant, je suis un dresseur. Je peux pas rentrer chez les gens, dommage. J'aime bien les jeux où je peux rentrer chez les gens comme ça gratuitement. Oh, bonjour toi. T'as des cheveux naturels pour l'époque. Va jouer avec les autres Oh là, ça va mal se finir, je vais trouver une carte pour grandir ou je ne sais quoi. T'inquiète pas qu'ils vont tous se calmer là. Ils vont tous redescendre d'un ton. Ah, bonjour, une femme. Ah. Descendre dans le puits, ça paraît très sombre. Boum. Je suis heureux dans mon puits. Les puits. Les puits ou le puits? Vous avez trouvé une étrange graine. Oui. Oh. Ah oui, j'ai plus le soin. Tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'enfants dans les jeux vidéo? Je ne sais pas. Et pourquoi est-ce qu'ils meurent autant? C'est bizarre. Qu'il y ait des enfants quand j'accepte, mais qu'ils meurent, c'est bizarre. Ah, bonjour. Yeah! Oh, l'épée tout de suite. Ah oui, d'accord, ça a changé l'animation. Il a gagné une animation et que. Il a grandi, il a gagné une animation, quoi. Ok. Ça me paraît cohérent. Posons pas de questions. Merci de m'avoir envoyé dans ce trou, j'ai failli rester, saleté, va. Entends des sons très étranges qui viennent de. Ok. Pourquoi tu parles avec ta grande bouche? Bonjour. Une jeune fille est passée il y a quelques temps, une amie peut-être. Qu'est-ce que j'en sais, moi? N'importe quoi. Un tonneau, je peux le casser. Non. J'aime bien tout saccager dans les villages des gens, moi. Allez, je veux tout casser. Ah, bonjour, toi, tu es un moine Shaolin qui va m'apprendre les techniques. Passez un bon séjour. Ok, tu vas rien m'apprendre du tout, tu ne sais... Oh, un enfant. Eh, j'aurais peut-être pu parler avec toi. Eh ouais, merde. Oui, mais la graine... En fait, j'étais censé parler à lui avant d'aller dans le puits, quoi. Il a dit, j'ai perdu ma graine qui me fait grandir. Ah, vous incrustez chez tout le monde, voilà. C'est la formulation que je voulais. Ah, voilà, je peux tout voler, skyrim.com, enfin oblivion.com, vous pourrez toujours vous reposer ici. Merci. Mais je reviendrai souvent ici? Reposez-vous dans mon auberge, c'est seulement... Te faire voir, oui. Jamais je ferai ça. C'est payant, mais va te faire foutre. Main combat, ça n'a pas l'air très drôle. Non, en effet, ça ne l'est pas. Au revoir, merci, au revoir, madame. Bon, je ne sais pas encore à quoi sert l'argent, je ne savais même pas qu'il allait avoir un village, donc bon. Maintenant, je vais faire attention à mon argent, je croyais que c'était un fake, l'argent, que ça servait à rien, mais ça sert à quelque chose. Oh, un pont. Non. Non, j'avais pas fini, j'ai pas fini de tout piller là. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Ils me prennent pour un con, quoi. Bonjour. Bijour. Vendeur. Il est toujours content de prendre votre argent. Bah, j'arrive, tiens, prends-la moi. Mon argent. Potion, épée longue, armure de cuivre. Va te faire voir, j'ai combien moi? J'ai 150. Je prends rien, je m'en sors très bien. Je fais que mourir 4-5 fois au bout de 20 minutes de jeu. Et alors, c'est pas une. Ah, si, c'est une fenêtre justement. Je suis con, j'allais dire c'est pas une fenêtre. Mais oui, c'est une fenêtre. Puisque je le sais, pourquoi je le dis? Je vais juste m'incruster chez les gens en haut et je serai content. Bonjour. Votre maison est-elle ouverte? Oui, elle est ouverte à tout le monde apparemment. Oh, elle est fermée. Nom de Dieu. Là, toi, tu veux bien me laisser rentrer? Oui. Bonjour. La carte torque. Ok, je suis content d'avoir la torque. Voilà, on se casse. Un voleur, mais incroyable. Alors l'autre, il veut peut-être me parler là, à droite, là. Tu vas me parler, toi? Il y a des monstres puissants sur la route, il faudra un meilleur équipement pour passer. Qui dit? Qui sait lui pour savoir ça? Les cavernes de cristal au nord sont très dangereuses. Pff.
Oh, les fantômes de Kefta. Oh, mais personne n'est jamais revenu. Oh, ben moi je reviendrai, écoute. Je mourrai peut-être 40, 50 fois parce que j'ai pas de stuff, mais je m'en fous, c'est aussi ça la vie. Ok, donc là je suis bien, je peux marcher sur la rivière, je suppose. Non, je peux. Ah là là, putain, ça m'a fait peur. Oula, oui. Potion. Ouais, tu me redonnes. Ah ouais, d'accord, j'aurais peut-être dû apprendre plus tard. Aïe. Crève. Je vais peut-être crever en fait là. Die. Relance du démon. Aïe 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 aïe. Mais crève. Ah. Il reste plus que toi et moi, Slimy. Ah. Sanglisse. Yes. Yes. Ok. Viens là. Je vais quand même aller au marchand. Si je le trouve, ma foi. Pourquoi pas. Ça rime en A. C'est quoi cette maison? J'ai déjà dû y aller, bien sûr. C'est quoi là? In. Ok. Out. Non, non. Ah, c'est toi, Monk. Là peut-être. Et merde, j'ai inversé. Ah non. Naïe. Merci. Bonjour. Acheter. Épée longue, armure de. Armure, ça peut être pas mal. Queue de phénix, je ne sais pas ce que c'est. Armure. Votre défense a augmenté. Yes. Je peux te vendre des choses, je peux t'escroquer, non? Acheter une petite potion, ouais, ça coûte 50. Allez, j'achète. J'achète. C'est quoi, c'est mon jour de grâce, je te donne. Je te donne mon argent et donne-moi juste une potion en échange. Ce qu'on appelle le commerce, écoute. Commerce équitable, hein. Bah écoute, je reviens en arrière. Et je me ferai un chemin parmi rien. Et je décide de revenir là et de me prendre un jumpscare dans la gueule, comme on dirait. Oh, alors toi, tu étais particulièrement redoutable. Ta-na-na. Il faut pas que j'aille par là, c'est ça? Vous auriez pu me le dire avant. Parce que, attendez, là, je suis au village. Ça n'a aucun... Ouais, là, je savais venir, je m'y attendais en fait. Ah, bonjour, un coup d'épée, c'est fini. Et boum! Ah, saloperie 2. Aïe, tu me fais un dégât, dégage, voilà. Ouais, l'armure, ça protège quand même, hein, même si c'est pas les meilleurs adversaires que j'ai croisés dans toute ma vie, mais... Bon, alors, comment je fais? En haut, en haut, en haut, en haut, village de Papuninka. Non, à gauche. Faut que j'aille... Plus loin au nord. Quelque manière que ce soit. Par les marées venteux, non? Ça veut rien dire. Bon, ben... Bonjour, petit enfant. Écoute, toi, tu as rien à me dire, du coup? Ok, je m'en fous. Mon séjour, il est pourri, parce que je trouve pas. Personne ne veut m'aider dans ce village de merde. C'est vraiment un séjour pourri que je passe. Alors, me prenez pas la tête, je veux juste passer. Toi, t'as rien d'autre à me dire, à part des conneries, c'est ça, toi, le délire? Il y a un tonneau qui bloque, je vais me faire voir. Le mec il met juste son tonneau pour bloquer tout le monde et faire chier le monde. Écoutez, on se casse puisque c'est comme ça, on se casse, écoutez. C'est eux qui vont le regretter, hein. Pas nous. Bon. Alors, où est-ce que je suis censé aller? Si je fais table. Ah oui, d'accord, j'ai un vrai inventaire. Tout à l'heure c'était un vieux truc tout pérave. Saleté! Allez. Oh, deux. Boum. Béatch. Aïe aïe aïe. Boum. La musique elle est bien. Die. Yes. Biatch. Je me fais beaucoup d'argent, mais à quelle fin? À quelle fin? Je pourrais pas dézoomer ou zoomer ou cheater ou faire plein de choses dans ce genre très gentil. Ok, alors là il y a le village. Si je reviens tout en arrière, ce que je peux faire? Non, je peux pas. Il y a une connerie de slime qui veut crever en deux coups. Ah merde, j'aurais préféré en un coup. J'aurais aimé... Oh, raté en plus. Oh putain. C'est difficile de rater quelqu'un dans un champ, quoi. Alors, je suis le chemin. Dun, 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 dun. Oh non, de Zeus. J'espère que les trois, ils partent en un coup. Merde. Bon, c'est la fin. Ah non, ils me font deux de dégâts. Boum. Un de vos amis qui est parti. Hein, vous avez pas peur? Non, vous êtes des slimes. Vous avez pas de cerveau. Vous faites beaucoup de dégâts, j'aime pas trop. Les petits dégâts qui défilent comme ça, ça me fait un peu peur. Boum. Die, please. Die. Voilà. Combien? 150. Easy money. 1-1-1-1. Mais putain, mais je suis une belle saloperie, moi. J'ai pas joué ou quoi? Valet des gueules, quoi. Oh, mais encore vous. La Team Rocket, quoi. Vous allez partir vers d'autres cieux, mes amis. J'allais dire mes alliés, quel cogne je fais. Die, merci de me rater, merci de me faire un dégât. C'est bon, vous êtes calmés tous? Je vais encore me faire 150, mais bon, à quel prix? Au prix d'avoir du sang sur les mains, quoi, du sang du slime sur les mains, ça m'attriste.
Ok, alors par là, il y a que dalle, on est d'accord? Il y a que dalle nulle part, c'est bien simple. Là, des pommes. Ah, les pommes! Il protégeait les pommes, quel enfoiré. Je peux pas monter dessus? On dirait qu'il a une selle exprès. Voilà, die. Faut peut-être que je dorme à l'auberge, non? L'auberge de jeunesse. On va continuer jusqu'à se faire attaquer maintenant, voilà. Ah là là, je vais arriver en miettes, quoi. Ah, lui, il me fait du mal, par contre. De dégâts, c'est un peu trop mal pour moi. Voilà. Nana. Je suis blindé de thunes, là, en fait, si j'ai bien compris. Non, mais sérieusement, je suis blindé, là. Bonjour. Bichour. Bichour. Alors. J'ai plus la place. Vous avez acheté l'objet. Ok, merde. Puis tout à l'heure, je l'achète, en fait. Fuck. Épée longue. Bam. Vous êtes prêts à combattre des monstres plus puissants? Ah. Faut tout acheter. Carte rare. Boum. Merde, c'est ça. Je pensais que c'était une carte. Une vraie carte. J'ai 20 potions. D'accord. Je pense que j'en ai assez, hein. Au revoir, l'ami. Au revoir, l'ami. Bon, d'accord, alors. Je pourrais affronter des monstres plus puissants, mais... Donnez-moi des monstres que j'en tue un, que j'achète je sais pas quoi, là. Il faut que je farme, en gros, là. Aïe. Allez, bonjour. Au revoir. Oh, 28. Ah oui, ça va plus vite, effectivement. Je vais aller fouiller par là, tiens. Que dalle, encore. C'est une honte, mesdames et messieurs, c'est une honte. Je suis dupé par le jeu qui est plus intelligent que moi. Ah, bonjour. Au revoir. Abracadabra. Bon, moi, je me serais stuff sans le vouloir, mais... Allez, je veux des pommes. Je suis sûr qu'il y a un oiseau qui va venir me faire chier, là. Ok, je marche sur les arbres. Ah. Par contre, marcher sur des pâquerettes, ils ont pas trop aimé. Boum. Adios. Qui d'autre? Qui d'autre? Ah, ils m'ont pas loupé, ces salauds. Non plus, je l'ai pas loupé, remarque. Boum. Tout doit disparaître. Écoutez, je vais aller dormir à cette saloperie d'auberge. Je veux juste acheter... Sur qu'ils arrêtent de tout se rager, là. Que de phénix, c'est quoi cette connerie, là? J'ai pas assez, bordel. Potion. Merde. Sortie, je vais aller à l'auberge. Allez, je vais dormir, je suis sûr qu'il faut faire ça. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? J'espère que c'est ça, parce que sinon, ce sera l'énigme du jeu, quoi. Bonjour. Bichour. Merci. Voilà. Oh oui. Oh oui. Ah, j'ai bien dormi? Ça vient... Oui. Tout votre stress disparaît, j'espère bien, oui. Au revoir, escroc. J'aurais dormi dehors, c'était pareil. Le lit était dur comme tu... Comme des pavés, quoi. Bon, bah ok, j'ai dormi là. Ah, peut-être que ça a bougé. Là-haut. On sait jamais, on peut rêver, hein, I have a dream. Peut-être les gens bougent dans ce putain de village. Non, non, c'est trop demandé, non, non, non. Oh oui, puté. Il a déplacé son tonneau, le fada. Le fada, fada qu'il est. Peu cher. Oh peu cher. Oh peu cher, il peut continuer sa route. Je vais me faire attaquer 4 fois. Ah non. Combat forcé, quelqu'un appelle à l'aide. Oh, des scaven, tiens, c'est nouveau ça. Bonjour, je vous défonce. Aïe, aïe, aïe. Boum. Ah ouais. Bah là, je suis bien stuff, forcément, ça fait mal. Voilà, ça disparaît. Pourquoi ils ont une cerise sur la tête? Une rose. Je suis pas con. 180. Ah, bonjour. Tu vas être mon compagnon de voyage? J'ai besoin du pouvoir du cristal de la caverne pour sauver mon village. Oui, je vais t'aider. Merde, je peux. Le scénario, ça m'a plus linéaire. En fait, je pouvais pas choisir. En fait, mon nom est... le mien? Bah écoute, je partirai sur un nom simple et clair qui explique un peu mes motivations dans la vie. Je dirais... je dirais Biatch, quoi. Voilà. Ok. Biatch, vous... Ah, c'est toi, Biatch. En plus, c'est une femme, tiens. Donc quoi, tout était prédestiné. Bonjour, les cavernes. Je me fais pas attaquer avant? Oui. Ok. Ok, là, c'est du vrai combat. Oh putain, tu m'as fait peur à sortir de mon corps. Son pouvoir peut changer notre perception du monde. Avec lui, nous pourrons combattre le mal qui menace mon village. Au fait, j'ai oublié de te demander ton nom. Je croyais que c'était moi. Bah, pff, comment je vais m'appeler maintenant? Voilà, je peux plus avoir de nom. Elle m'a volé mon nom. Saleté, va. Clink. Non, je vais pas m'appeler Clink, pas Clink. Je veux un nom qui claque. Écoutez, je vais partir sur un nom qui ne s'écrit sûrement pas comme ça. C'est sûr même qu'il s'écrit... Il n'y a pas de H, je pense. Ouais, je ne sais pas. Qui le sait? Il y a peut-être un H, en fait. On s'en fout. Alors. Ok. Je suis rapide. Yeah.
Voilà. On reconnaîtra la référence ou pas, si je l'ai bien écrit ou pas. Ah, le troll, je peux me mettre. Oh, ah bah écoutez, allons pour Heisenberg. Je voulais que ce soit Heisenberg, mais bon. On réalise enfin que vous êtes un être humain, vous deux. Vous aussi, oui, vite fait. Soi-disant, je suis un être humain, c'est ce que disent les gens, ça. Oh, en haut là, peut-être, il y a un boss, non? Ah, un coffre. Monstre de caverne, oh, on dirait que c'est habité. Oh, putain de saloperie. Oh, hello. Boum. Merde, raté. Magie. Soin. Les deux, oui, vas-y, tant qu'à faire. Voilà. C'est bien, tu vas me servir à quelque chose, toi. Boum, biatch. Voilà, tout doit disparaître. À gauche, j'imagine. En fait, j'avais pas compris, moi, c'est des trucs tour par tour encore. Et que dalle ici. Ouais, voilà, il y a la mort. Oh, bonjour, Torque. Boum. Oh là, t'es résistant, toi, dis donc. Bam, raté. Ça te fait mal, ça, hein? Ça fait mal. Elle a pris 20 dégâts, l'autre. Elle va encore prendre 20 dans sa courge. Ok, il a oublié d'attaquer l'autre. Allez, die, quoi. Merci bien. Toum, toum, toum. Je dois encore me faire attaquer sur le retour, tiens, ce sera sympa. Allez, avance, petit avance. Et merde. Les scaven, tiens. Oh là, elle se fait massacrer l'autre. Boum, tu disparais. Tu disparais. Et merde, tu fais 9 de dégâts, mais à quoi tu me sers, ma petite? Tu es ridicule. Au revoir, moi je fais 20. Je peux pas lui acheter du stuff à elle parce qu'elle est ridicule, quoi. Hello. Pourquoi je peux encore attaquer comme ça? Ça me sert à rien. Ok, alors il y a des pierres. Ouais. Saleté! Ah! Encore toi! Non, toi t'es infect! Boum. Objet, potion. Non, pour toi, ma petite. Tu vas pas dans l'état où t'es? Ah ouais, elle redonne que dalle celle-là, quoi. Boum. Tu m'attaques? Non, il m'attaque pas lui, jamais. Raté, mais toi tu fais que rater, quoi. T'es un échec. Ah voilà. Heureusement que moi je craque pas et qu'une épée en même temps serait compliqué. Un truc qui bouge pas. Alors, bonjour. Ah, merci. Point d'expérience, quick. Oh yes! J'aime bien ça. Ça, j'aime bien. Dès qu'on rajoute des points d'XP. Oh. Forcément, la durée de vie se rallonge. On ne sait pas pourquoi. 3 XP, ouais. Yes. Et à quoi ils me servent les points d'XP? Il n'y a pas un truc où vous pouvez enfin gagner des niveaux. Ce serait utile avec les points d'XP. J'aimerais bien qu'ils me disent ça. Oh, raté. On sait que ça durait longtemps. Oh, 3. Mais tu fais très mal, toi, hein, ma petite. Hein. Vraiment que t'es là dans la Dream Team. Allez, attaque-moi ça, là. Un dégât. Oh, oui, tu l'as achevé. T'es contente, là. Heisenberg, pardon. Et Biatch, au niveau 2 aussi. Ok, très bien. Fontaine de vie. Heureusement, ça soigne les blessures. Ah bon, heureusement. Merci. Oui, sauvegarde. Merci bien. Je continue ma croisade. Ok, voilà, c'est bloqué. Aïe. Oh là là, vous êtes sérieux. Attaque. Oh, lui en premier, ça va être long. De Dieu. Aïe. Oh, saloperie, je ferais mieux que de me soigner avec elle, quoi. Parce qu'elle sert à rien, quoi. Et l'autre, elle attaque pas, elle a pas le droit. Sonne-moi ça là. Voilà, pas besoin de potion, hein. Boum, toi tu disparais. Vengeance du démonus. Boum. Oh, t'as fait 11 de dégâts. Oh, eux, ils aiment pas trop ta magie noire, hein. Bonjour, je cherche juste un cristal, hein, si vous en avez, écoutez. Ah, bonjour. Oula, j'aurais pas dû marcher là-dessus là, non? Ok, je sais pas ce que j'ai fait. Cobra 0. Loupé. Rage pas, je t'ai loupé. Aïe aïe. Meurs. Ah ça va, il est pas très résistant non plus, c'est pas la folie. Soigne-moi tout ça. Voilà. Boum. Ah bon, en fait je peux attaquer comme un porc, quoi. Ah bah voilà. Niveau 3, niveau 3, c'est cool. D'un coup ils vont me troll, je suis sûr. Je suis sûr que ce niveau 3 ça va être un troll. Ah, Skaven. Ok. Y'a rien d'autre. Ouais voilà, c'est ça qui est chiant. Chaque fois qu'on marche, on sait que plus on marche, vous savez, c'est comme Pokémon, plus on marche dans l'air, plus on a de chance. Plus on prend le temps, donc plus on a de chance de se faire attaquer, plus on prend de risques, donc c'est un peu chiant. C'est pour ça qu'on essaie d'écourter nos voyages. On fait des stratégies pour moins marcher, mais il n'y a pas moyen. Soigne-toi, toi, de Dieu. Prends soin de toi. En plus, je peux attaquer après, boum. Ça te va comme ça? Non? T'es pas content? Boum. Yeah. Il y a ma souris en haut à droite, là, qui m'énerve. Dégage, vengeance du démon. Je vais me faire attaquer peut-être? Non, 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 pas d'attaque, pas d'attaque. Oh, c'est bizarre. On va sortir de la cave, on va être niveau 220. Waouh, tu fais très mal, toi. T'es une belle saloperie, si tu veux tout savoir. Pas via la fontaine de jouvence. Merci, oui, je sauvegarde. Tant qu'à faire, hein, écoutez, je suis là de passage comme ça. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Saleté, borgne. Meurs en un coup, s'il te plaît. Disparais de la terre. Je croyais que je m'étais soigné, l'autre elle a 70 PV, quoi.
disparaît de ce monde et des autres. Merci. On va descendre puisque je suis pas allé là, je crois. I believe. Ah oh, putain, saloperie. Ça te va comme ça? Eh merde, j'aurais pas dû. Je sais qu'avec elle, il faut faire que du soin parce qu'elle sert à rien. Voilà. Aïe, aïe. Merci de nous soigner, bitch. Hein? Boum. Disparaît. Putain, heureusement que j'ai l'épée longue, quoi. Sinon, je vous dis même pas le temps qu'on aurait pas. Eh merde. Je vous dis même pas le temps qu'on aurait passé dans la caverne, quoi. Niveau 4, ok, la vie augmente, c'est cool. Je suis heureux. Allez, 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 j'y suis. Yes, étoile. Yeah! Donc en gros, tout ce side, il sert à rien. Oh, saloperie de Cobra Zero. Tintin, 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 yes. C'est un miracle là, ce qui vient de se passer. Boum. Oh, raté, nom de Dieu. Soigne-nous, soigne-nous. Comment t'as fait pour rater ça? Oh, 105 PV, ok. La vie a vraiment augmenté, c'est pas une légende. Die. Yes. J'y croyais pas. Bonjour. Je suis juste de passage, je ne veux pas d'embûches et d'embrouilles. Non. Ah, toi tu meurs en un coup toi. Au revoir. Saleté, tu meurs en deux. Ah, elle te rate. Putain, elle est jamais là au bon moment. Elle, comment tu peux rater avec de la magie quoi? Ça veut rien dire ce que je dis. Si tu peux rater avec une épée, pourquoi pas avec de la magie? Ne m'attaquez pas. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait quoi? Ok, alors tout ce passage en gros c'était de la merde. Je l'ai bien compris, écoutez. 12. Toi t'as envie de nous soigner, je le sens bien. Merci bien. Ok, donc son max de vie apparemment c'est 105. Voilà, tu disparais, t'as même pas attaqué mon pauvre, t'es tellement lent. Allez, j'ai bien envie de me faire violer dans un coin. À gauche j'y suis allé. Là j'y suis pas allé, yeah. Ah yes, je suis quand même allé un peu plus loin que ce que je pensais que j'allais aller avant de me faire attaquer. Merci. Et toi t'as bien envie de nous soigner, je le sens. Oh, tu attaques vite toi, dis donc. J'ai rusé mais mort. Quand on est mort, la ruse ne sert plus à grand chose. Oh bonjour, une maison tiens. C'est quoi, un truc de déchet? Ah non. On dirait un... Comment ça s'appelle? Un truc à compost, là. Et il y en a partout, quoi. Ah! Aïe! Ils comprennent pas que ça fait mal? Soin. Parce que toi, tu sers à rien, sinon... Ton seul but dans la vie, c'est de me soigner, quoi. Bonjour, et toi, tu as un maximum de 75 de vie, tiens. D'accord. 50 glisses. Ok, rien. Rien, je suis heureux. Là, 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 là. Ok, une potion, je suis heureux. Allez, on revient, on va se faire attaquer 2-3 fois. Ça nous aura coûté un peu de venir ici. Voilà, toi tu disparais. En fait, dès qu'on a le soin, c'est la fin, quoi. Du coup. Saleté, borgne! J'aime pas quand il y a un gros comme ça. Soigne-nous, Falak, que tu es. Aïe, aïe. Toi tu meurs. Là, tu disparais. Abracadabra, abracadabra! Un petit 9 de dégâts dans votre tête. Boum! 29 de dégâts dans votre tête. Peut-être dû faire soin là. Ah non, au revoir. Adios amigos, ce n'est qu'un au revoir. Niveau 5. Alors, je vais là. Je suppose. Voilà la saloperie que c'est. Ou alors, est-ce que. J'arrive pas à me souvenir en fait. Est-ce que je suis déjà allé là? Je pense. Ça qui est terrible. Au revoir. C'est sûr que je suis allé là. Ouais. Saleté, 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 le plus loin possible, le plus loin. Elle est pas très loin. Encore toi, Torque. Quand arrêteras-tu? T'es face ici, quoi. Je sais que lui, il a pas le temps d'attaquer si je fais un soin avec elle, voilà. Salaud, voilà, pour me contredire, ah là, il y a du monde, là. Si que je dise un truc, le jeu trouvera l'inverse. Donc là, j'imagine. Je suis allé, là, aussi, non? Ah oui, il y a que dalle, aussi, non? Jeu trisomique de la vie, là. Va faire de la merde, là. Ah, tu redonnes beaucoup de vie, toi, hein, j'avais pas remarqué. J'avais pas fait attention. Merci pour l'XP, j'en aurais grand besoin. Maintenant, je casse ça. Non. Où est-ce que je suis pas allé? J'ai pas une map ou un truc, là, parce que... J'ai beaucoup de fric. Beaucoup, beaucoup de fric. Bah écoutez, je ne sais pas. Putain, c'est chiant. Non, putain, j'ai fait un pas de côté, quoi. C'est chiant parce que je ne sais pas où je vais. Écoutez, vous êtes embarqué avec moi dans cette histoire. Vous regardez ou vous regardez pas? Vous regardez pour le bon et pour le mauvais, j'ai envie de dire. Pour le bon et pour le mauvais. Okay. À gauche. Il n'y a plus rien là-haut. Non, j'ai tout fouillé, c'est pas possible. Boum, engeance du démon. Voilà, j'aime bien quand ça va vite comme ça, quand c'est expéditif, ça me dérange pas trop. Allez, un autre. Il y a de l'eau, mais...
faire attaquer par un poisson, j'ai cru par un moment. Toi t'as envie de me soigner. Je le sens bien. Biatch. Tu disparais de ce monde. Cette épée longue quoi, faudra la remercier. Comme il faut. Je suis déjà allé là. Si je peux save ici, c'est qu'il y a. On peut aller plus loin quoi, je suis désolé. Boum. Et merde, il survit quoi. Allez, rate le pas. Un dégât. Oh yes, ça suffit. Yes, qui l'eût cru. Juste cru. Patate cru. Troulu. Ouais. Je finis pas, hein, c'est bien. Ah, mais quel connard. Je suis vraiment un... Oh putain, je suis juste devant. Je suis vraiment un pauvre connard quoi. Il était juste là, vous êtes sérieux? Et vous me l'avez pas dit quoi, vous étiez pas là. Mais il est juste là, espèce de con. Si j'imagine que vous étiez comme ça. Parce que je serai à votre place. Merci. Merci, au revoir. Et merde, le gardien du cristal. Ouh, bonjour, fantôme de Kalf. Biatch, il garde le cristal depuis des siècles. Biatch, mais on dirait qu'il a été corrompu par un pouvoir maléfique. Biatch, probablement le même qui a attaqué mon village. Biatch, allons-y, nous avons besoin de cristal. Heisenberg, 3 petits points. Ok, attaque. Oh, 27 dans ta bouche. Toi, t'as envie de nous soigner avant qu'on prenne du 32 de dégâts par lui, là. Allez, tu vas pas me faire du mal, tiens, boum. Boss animé, il a l'air beaucoup plus méchant comme ça, oui, c'est vrai. J'ai beaucoup plus l'impression de jouer un jeu de 2013 aussi, donc merci. Je veux bien qu'il y ait un style rétro, mais quand même qu'il y ait un peu des animations, c'est le minimum. 7 de dégâts, boum. Boum. Ah oui, c'est un boss, quoi. Oula, tu me fais peur. Boum. Eh bah oui, eh ouais, contre fantôme, mais quel... Ah, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai bien envie de prendre une potion. Non, pas sur lui. Salope que t'es, va. T'aurais dû apprendre pour toi, connasse. Boum. Objet, potion, pour toi. Quel connasse, elle. Ah oui, tout à l'heure, en fait, la potion, elle a redonné que jusqu'à 75 parce qu'elle a 75 de vie. Eh oui, mesdames, messieurs, vous me l'aurez pas dit, ça. Meurs, engeance du démon. Retourne dans les tréfonds. Ah, je peux pas t'attaquer, là. Donc, si j'ai bien compris, soit je fais une attaque dans le vent, soit je fais un objet dans le vent, quoi. Donc, une attaque dans le vent, tiens, pourquoi pas. Contre fantôme, ah oui, bah vas-y, attaque-moi, fais-moi du mal. Pas comme si j'avais pu faire une stratégie pour l'éviter. Merci. 18, putain, la saleté, va. Allez, mais crève au bout d'un moment. Fais-nous du soin, ton corps, crève la bouche ouverte. Aïe, 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 tu attaques. Et je riposte. Boum, on l'a eu. Vous avez gagné 400 glisses et 20 XP. Niveau 6, défense, et l'autre, magie. C'est bien ça. Yeah. Je vais me téléporter, stunté. Téléporte, stunté. Oui, je me téléporte. Oh, mode 3D. Oh. Ah merde. Ouais, l'inventaire est pas en... Oh oui, bah c'est beau en plus, c'est la belle 3D. Tu vois à quoi tu ressembles? Fais voir ta gueule, toi. Fais voir ta putain de gueule. Mec, il s'affole. Oh bonjour, je peux te parler? Le pouvoir de cristal est incroyable, maintenant nous devons combattre le mal qui. Mais nous devons traverser les mille de la Moria. Ah non, de la Noria, ok. Alors ça. D'où s'est inspiré ça, la Noria? Tu es mon héros, oui, j'espère bien. Maintenant je te laisse ici, ça te dit. Allez, voilà. Ça, il nous épargne ça. Non. Ah oui, en 3D quoi. 21h27. Chez moi. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, je lis l'heure. Musique 16 bits. Ah, la musique évolue aussi. Ah, il y a un vrai changement. C'est marrant parce que ça fait vraiment un changement. Non, non, non. Oh oui, j'étais en train de ramasser un. Oh, des cœurs. Yes, j'attends qu'il se barre parce qu'il y a. Et voilà. Vous ne serez plus tué en un seul coup. Ça fait plaisir ça. En fait, le jeu devient plus simple quoi. On l'a bien compris. C'est un peu ça l'évolution du jeu vidéo. À la fin, ça va finir en Battlefield. Bonjour, mon Call of Duty. Ok, les buissons, les animations. Oh, mais c'est la fête. Trouver des étoiles dévolantes. Mais merci, je les ai trouvées. J'ai pas besoin de toi pour me le dire. Hâte de faire ton petit Zelda là, choper des trucs comme ça. J'ai pas joué, mais je sais très bien quand ils chopent comme ça. Ah, ouais, saleté, va. Crois pas que je te vois pas. On sait bien, apparemment, on se fait plus attaquer vu que c'est en 3D. C'était un peu. On ninja la durée de vie quoi en faisant ça. Merci, merci. C'est beaucoup plus simple de les toucher. Aïe, mais aïe. Oula, vous ressemblez à rien, ou en 3D. Enfin, s'il y a des poulpes, remarque. Saleté de poulpe. Qui vont crever, tous. Tous, j'ai dit. Pas d'exception. Tous, quand je dis tous, c'est tous. C'est moi juste suivre le chemin en tuant tous les poulpes que je croise. Saloperie de poulpe. Boum. Boum. Et comment je fais là, monsieur? J'ai la réponse à tout. Ok, j'ai compris ce qui se passe, ce petit manigance, je croyais pas que j'ai pas eu le passage. Moi aussi, j'ai joué à Portal. Oh, une roche fissurée. Ah d'accord.
Ok, des buissons fissurés. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Ah oh, merde! Encore une carte? Saleté, va. Je m'attendais à mieux. Bon, ben. J'étais persuadé que ça allait m'aider dans ma quest. Apparemment, c'était un truc caché. Tiens, les buissons, c'est toujours la source du mal, donc. Ah, bah là. Pff. Attends. Je crois pas que je t'ai loupé, toi. Non, je peux passer entre les arbres, ça. C'est pour plus tard. D'ailleurs, la taille des arbres est un peu étrange, hein. Par rapport à la taille de mon perso, je veux dire. Boum, boum, boum. Oh là là, mais ils ont une intelligence artificielle ou quoi, ceux-là? Supportable, quoi. Je sais pas, des jeux pour jouer contre des ennemis qui sont Einstein, quoi. Oula. Pourquoi j'ai jamais demandé ça, moi? Je veux pas jouer à Minecraft, hein, c'est bon. Bien dimensionné le franchier. On dirait le début du jeu, dis donc. Oula, dis donc. Bonjour. Parce qu'on dirait le début. Ok, les buissons vous bloquent parce que vous ne savez pas voler, bien sûr. Pas comme il faut, apparemment. Saleté borne que tu es. Ok, bon, bah, écoutez, je reviens au village, hein. Je pète juste les buissons Minecraft, voilà. Alors. Bonjour le village. Comment allez-vous le village? Boum. Ah oui, je me rappelle de ces trois ennemis à la con. Aïe. Elle meurt. Vengeance du démonus. Sataniste. Qui brûlera en enfer. Ok, ce cactus me bloque dans des plans que je ne suis même pas. Ah, bonjour. Tout votre stress disparaît. Et alors, du coup? Je vais où? Je reviens par là, j'imagine. On va dire. On va dire ça, écoutez. On y croit? Une paire de merde que je ne peux rien faire contre. Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille là? Ah, bonjour. Ah, bonjour. Oui, je pense qu'il faut vraiment que j'aille là. Vie bonus. Les monstres vous donneront parfois un peu de vie. Boum. Ils me donneront un peu de sauvegarde aussi. Boum. Ah. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de sous fantastique là-dedans? Vous avez l'air cool quand vous ouvrez ces coffres. Ah, d'accord. Ok. Yo. Je l'ai pourfendu. Hello. Hello. Les buissons à casser, je suis là. Appelez-moi. Au 32 42 72 1238 42 × 10⁻⁹. Voilà mon numéro. Oh bonjour monsieur coffre. Comment allez-vous? Ça va très bien, mais écoutez, moi aussi. Ok, alors étoile, trouvez toutes les étoiles des Volandes. Je suis content. Je suis content de trouver toutes ces étoiles, dis donc. Ça me redonne le moral, tiens. Putain, j'ai plus qu'un cœur de vie. Pas le droit à la connerie, pas le droit à la connerie. Non, non, tu n'auras pas ma vie. Ya. Yeah. Texture HD. Oh oui, bah voilà, là j'aime. Là c'est beau. Là, ça me plaît. Ok, ça rame. Ah non, parce qu'elle est sortie. Les mines de la Noria sont juste au sud. Nous pouvons nous rejoindre mon village en les traversant. Oui, d'accord, après parler. J'espère que tout le monde va bien. Dépêchons-nous. Tu es obligé de rentrer dans mon corps à chaque fois. Tiens. Ok, là par contre, c'est toujours pixelise. Bonjour. Monde en 3 dimensions. Oh yeah. Biatch. Ah oui, là c'est beau. Ça me fait penser à Ni no Kuni. Voilà. Je vous lis. Oh, les mines de la Noria, tiens. Hello. Oh oui. Oh, c'est beau là. Ah oui, ça devient beau. Boum, bitch. Vous allez me faire attaquer là ou pas? Ah non, apparemment c'est encore en 3D. Mines ouvertes, vous pouvez maintenant explorer les mines de la Noria. Ah oui, d'accord. Oh, hello. Y'a un boss? On dirait que ce passage est dangereux. Ah bon? T'es sûr? Des pots, je peux pas les briser comme dans Zelda, non? Oui, je sais plein de choses sur Zelda sans y avoir joué. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. Parce que certains y ont joué, voilà, bon. Étalez votre culture, allez, vous allez jouer à Zelda. Oh, je vais essayer d'attaquer là. Il y a Bruce Wayne qui traîne. Cette porte est fermée. Nous devons trouver un moyen de l'ouvrir. Je compte sur toi. Tu sors vraiment pour me dire ça? Je vois une grille. Bien sûr que je vais l'ouvrir. Un coffre derrière. Connasse. Ah voilà. Oh. Ah. Tu n'auras pas ma vie. Ok. Pourquoi t'étais la souris maléfique quoi qui fait tout bugger Bruce Wayne? Ah saleté. Ok. Avec des cœurs dedans pour l'instant. J'imagine après il y aura de l'argent. Te presse pas surtout hein. Je vois son animation. Putain il a pas l'air pressé le mec. Non. Non, ok. Je suis pris un petit coup. Oh là, ce coffre est bizarre. Ouais. Plaque à pression, ce n'est pas exactement Fort Knox. Fais le malin, va. Ok. Il va pas falloir que l'autre elle reste sur une plaque. Ok, mais pourquoi tu fais ramer mon PC, toi? Bruce Wayne à chaque fois là, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a de beau? Ok, la grille s'ouvre.
Mécanisme d'ouverture, on se demande pourquoi ils ont des portes. Eh ben moi aussi je me le demande, figurez-vous, pourquoi ont-ils des portes? C'est la question que je pose à tout le monde. Pourquoi des portes? Ok, pourquoi ça bug surtout? Ça c'est la grande question aussi. Oh bonjour, mage. Parfait pour sécher vos vêtements. Saleté! Ah oui d'accord, tu m'attaques. Moi tu m'attaques. Mais t'es une belle saloperie toi. Ah t'as envie de toucher ça toi. Ouh là là, tu fais bugger tout mon PC mage à la con. Attaque ça! Attaque ça! Mais comment je fais avec ce con? Ah voilà. Pourquoi ça bug? Pourquoi ça rame? Ah voilà, saleté, bah, il m'a coûté cher lui. Pas clé. Ok, alors ça va me saouler, attendez. Ça devrait être mieux. Oui, merci, Fraps, merci. Merci de ta collaboration. On aurait peut-être pas dû entrer dans cette... Putain, ça rame. Et les Bruce Wayne, vous êtes vraiment des saloperies, quoi. En fait, c'est des ennemis, quoi, qui font tout ramer. C'est dingue. Jamais vu ça. Tu mets trois pauvres ennemis en 3D, c'est bon, c'est la fin du jeu, quoi. Bonjour. Parce que là, ça tourne bien. Clé pratique, elles sont toujours du bon côté des portes. Oui, merci. Ça veut dire quoi, en plus? Ils sont du bon côté des portes, je ne comprends pas. Ok, alors, ouvre-toi. On saura quand il y a des ennemis, vu que ça rame un truc de dingue. Squelette, il a juste besoin d'amour, bah il a juste besoin de mourir, écoute. Oh, il s'est paré le fourbe, hein. Ouais, pas si bien que ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur entrée. Boum! Mais die! Voilà! Saleté, là. C'est quoi ça? C'est la princesse que je vais sauver à la fin du jeu? Ok, il y a plein de dalles là que je ne peux pas faire. Ah, tu vas peut-être m'ouvrir ça, hein. Je vois quelque chose sous l'eau. Je vais voir un autre mécanisme. Oui, merci de me le dire. Intelligente, elle. Putain de saleté. Bonjour, encore un truc piégé. Ouais, saleté, va. J'ai l'impression de me balader dans les trucs de Legend of Grimrock. Et oh, tu m'as pas touché, là, la hitbox. On peut pas trouver une vraie hitbox. Ouais, ok, il est à 30 mètres, quoi. Allez. Allez. Je l'ai eu. J'ai mis l'impression. Et boum, biatch. Ok, tout qui s'est levé. Oh, je retournerai pas en arrière. Hein. Là, ils vont se faire voir. Ici, c'est pas ouvert en plus, donc fuck it. Ça s'effondre pas derrière moi quand même. Je suis pas God of War là, rassurez-moi. Ah. Labyrinthe, toujours à droite, ça devrait. Saleté. Hein. J'imagine que toujours à droite, c'est un mensonge. Bon, bah, toujours à droite, ça devrait marcher. Je devrais pas les croire. Je suis con pour les croire, mais. Ça marche là, hein, toujours à droite. Ok, alors là, là. Est-ce que c'est un vrai labyrinthe? Est-ce qu'on peut vraiment se perdre? Ouvre-moi ça, toi. Ah, merci pour la clé. Si je vais là, qu'est-ce qu'il y a d'autre de beau? Meurs, meurs, engeance du démonius. Fils de Satan. Enfant de Lucifer. Une étoile encore. Je suis bien content de trouver des étoiles. On t'a vite me gaver cette histoire de mettre une heure en ouvrant des coffres. Si on en trouve toutes les 15 secondes. Oh, un cœur dans l'eau, dommage. Je ne puis le ramasser. Mais saloperie quoi, ma hitbox. Mais saleté va. Et votre hitbox aussi, comment je l'ai touché lui? En haut là, il y a quelque chose ou il y a que dalle. Viens là toi, viens là. Viens là, fais pas genre tu voles. Mais saleté. Allez, ouvre-moi ça. Encore elle. Ils se sont pas fait chier quoi, ils les ont produits en série les... Ah bah ok, je vois rien là. On peut pas m'acheter des angles de caméra dans le prochain coffre. Saloperie, il a voulu m'attaquer. Il a voulu me faire du mal et il a réussi. Ah, c'est un ennemi trop puissant. Attendez, oh putain. Attendez, je peux me faire toucher 4 fois avec un cœur. Mais saleté, tu peux pas me toucher, tu n'es qu'un squelette. Allez, un cœur, merci. Ok, un quart de cœur plutôt. Et tu fais tout ramer toi, tu vas arrêter hein. C'est peut-être lourd en fait, tu fais tout ramer. Veux-tu procéder à ta mort? Bon, squelette plus de l'eau, c'est pas bon, ça a trop de trucs. Ah, merci. Saleté. Et on avance. Peut-être que Fraps va s'arrêter de péter un câble. Merci. Bloc mobilier, vous faites pas mal au dos. Oui, bah j'ai envie de me faire mal au dos, c'est emmerde. L'énigme. Voilà, l'énigme résolue. C'est un peu l'énigme du siècle, je vais vous l'avouer. Ok, putain, il y a Bruce Wayne qui se balade encore, ça a tout bugué. Bruce Wayne, va te faire foutre quoi. Ok. Allez vous faire voir tous. Je vous ai. Ok, pourquoi il y a des chemins là, c'est bizarre, enfin des chemins, des espèces de trucs au sol.
Je pense que le soliste des robes, ça me ferait de la peine. Ah, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Nanana. Tu m'avais dit que mon PC ramerait sur Evoland. Eh ben, putain. Un pot. Tirons. Merci. Ah, qu'est-ce que t'as vu? Il y a autre conne qui sort. Ah non. Elle veut pas sortir de mon corps. Ah, bonjour, les trois choses. Ouais. Trois ombres. Ok. Ok, ça va être chaud. Ok, ça va être chaud s'ils veulent pas mourir. Mourez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bah écoutez, je demande pas grand chose dans la vie. Ouais, voilà. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'ils ont une intelligence artificielle, ces gens-là. Je suis coincé. Ouais, ça va. Ils m'ont pas fait l'odieux piège de me coincer dans le... Bah, dans le coin. Et que je puisse plus en sortir jusqu'à ma mort. Je me serais battu jusqu'au bout, mais bon. Ce qu'ils savent parer les coups, c'est ces oiseaux-là. Pour parler en ancien, François. Meurs. Bonjour. Interface HD. Bienvenue à l'anti-aliasing. Bah, je te vois pas. Pour l'instant, je l'ai pas vu. Bon, si, si, c'est quand même mieux, si, si. Il y avait beaucoup de nuances dans cette pièce. J'espère que tu vas bien. Désolé de ne pas pouvoir combattre avec toi. Laisse-moi au moins soigner tes blessures. Bah, j'espère bien, vas-y, merci. Ah oui, c'est vrai, tout est... moins... Bah, il y a plus de pixels sur les coffres, déjà. Un endroit formidable pour se débarrasser des monstres invincibles. Ah bon? Dis donc. Viens là, toi. Saleté. Viens là, toi. Putain, ça bouge vraiment comme une belle saloperie, ça. Ok, j'ai compris. Allez. Oh putain, le bruitage, quoi. Le mec, il a pris le micro, il a fait... En mieux, bien sûr. Il a dû y passer une heure. Moi, c'était juste une impro. Gauche ou droite? Gauche. Ah, bah, c'était lui le dangereux, j'imagine. J'imagine que je prenais n'importe lequel, ça faisait ça, non? Ça aurait été plus marrant. Ok, mais enfoiré de squelette 3D de mes couilles, quoi. Il s'arrame maintenant, ça va être quoi après, quoi? Frappe, s'il a un peu du mal, hein. Il supporte pas trop, là. Tous ces squelettes à la con, il les aime pas comme moi, écoutez. Ok, ok, il y a une accélération de l'action, là, non? Ok. Alors, écoutez, je suis désolé. What? Mais... the fuck? Nye? Gay? Je me suis fait troller par les squelettes. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ils m'ont TP. What the fuck? Ok. Bah, les squelettes m'ont TP à la... What the fuck? Ok. J'aime l'idée, bravo. Les squelettes magiciens comme ça, ça me plaît. Les illusionnistes comme ça, ouais, j'aime bien, franchement j'aime bien. J'espère que ça vous a fait plaisir, c'est un petit tour de magie de la part de Skeletor. Ok, il y a plein de Bruce Wayne, encore, je les emmerde. C'est le mal. Tous ces gens en 3D là, surtout avec de l'aliasing, qu'est-ce qu'ils pensaient, ils ajoutent de l'aliasing, alors ils sont barges. Bon ça, j'ai pas mis 4 heures à revenir, mais nom de Dieu quoi, qu'est-ce qui s'est passé Skeletor, qu'est-ce que tu m'as fait encore? Ça rime. Beaucoup de phrases que je dis qui riment hein, dans cette vidéo. Meurs, voilà. Plus simple. Si tu n'es plus de ce monde. Ça ouvre les deux? Non. Trop d'espoir, trop peu de résultats. Alors je vais me faire attaquer dans ce couloir. Tornade, elle vous emmènera gentiment vers le piège. Ah oui, bah j'aime bien écouter. 3. Ah, j'ai déjà compris le piège. Non, putain, je l'avais pas vu quoi. On veut aller trop vite. Bonjour. Merci. Il n'y en a pas une là? Saleté, va. J'y crois pas, il y en a une là, non? Ah voilà, il y a monsieur le... Puzzle de lumière. Les véritables aventuriers sont forts et intelligents. Bah ouais? Moi je suis bête et con. Donc je suis pas un aventurier si... Ok, vous êtes deux là. Et le mec il s'était pas à l'autre bout de la map pour me toucher quoi. Bah et l'autre je suis même pas dans le cadre de l'écran quoi, il croit que je vais venir le toucher, tiens. Et c'est un peu... comment il s'appelle? Oh je suis con, c'est carrément ça même. Oh non, comment il s'appelle? Oh non, je le savais ça. Les... dans Star Wars là. Du désert là. Putain, je suis clairement con. Qu'est-ce que je fais là exactement? Saleté? Ah oui d'accord, ok j'ai compris. Ok, il faut juste tout illuminer, c'est ça le délire. Je devrais pouvoir y arriver. Voilà, d'après le théorème de on marche pas sur les trucs déjà illuminés. Très utilisé dans le milieu. Ok, des pièges, encore toujours des pièges pour choper une clé. Ça, je pense que ceux-là, j'arriverai à les éviter. Quoique... Ah, c'est une belle saloperie, ça. Hein. Ah! Oh non! Oh, le mensonge! Mais oh, mais... Stop au mensonge, là! Mais... Pff, bon, allez, tu sais quoi, on va y aller comme ça. On veut me troll, et ben vous y arrivez.
Ouais, merci pour la clé, du coup, bon côté des portes, mon cul. Voilà, saloperie, t'inquiète pas que je l'ai passé du premier coup, là, bien sûr, dans l'autre sens. Bonjour, Bruce Wayne. Un truc de sauvegarde, tu vas tout faire ramer juste avant. Oh, tu vas pas sur mon truc de sauvegarde, putain, tout, mais pas ça. Voilà, merci. Lave, non, elle se transforme pas en obsidienne. Bien joué. Bien joué. Qu'est-ce qui va se passer? Je peux tomber dans la lave au moins? C'est la question que je pose quoi, il faut quand même que quelqu'un la pose, tiens. Saleté va. Oh putain, tu sors de mon corps, c'est douloureux, tu te rends pas compte. Ok, moi aussi j'ai un mauvais pressentiment, attention où tu mets les pieds. Je les mets où je veux, c'est souvent dans la gueule. Ouais, ou dans la lave. Tu sais, il y a plein de murs là que je pourrais péter, mais non. Nom de Dieu. Nom de Zeus. Nom d'une pipe en bois. Ok, donc en fait, je croyais moi on pouvait un peu aller où on voulait, mais non. Là, je vois que dalle, donc si je tombe dedans, ils l'auront sur la conscience. Écoutez. Merci. Piège de feu, un conseil, allez-y doucement. Si tu vas rapidement, ça vous emmerde. Hein. Ok. Ok, ok, ok. Merde, ils vont pas paquer de 3, j'ai l'impression, les pièges. Oh non! Oh là, mensonge, quoi. Baliverne, la hitbox elle est moisie, on peut pas débloquer la hitbox dans un coffre. Balivernus quoi. Oh putain, oui, bah là c'est une belle saloperie. Oh, game over. J'étais tellement loin. J'étais là où il y avait. Oh, il est revenu ce petit salaud. Oh, d'où tu sors toi? Ah, oh, dans Bruce Wayne, pardon. Ah non. Je crois me rappeler à peu près, voilà. Non, je... Putain! C'est terrible hein, quand on veut aller plus vite. Cruelle désillusion de la vie. Ça, je le connais, je pense. Saleté, va. Il pardonne pas, hein, ce jeu, en tout cas, c'est bien, c'est bien. Il en faut des jeux qui pardonnent pas. Comment je fais, là? Comme ça, comme un beau gosse? Comme ça, vous voulez dire? Like a BG? Merci. Ah. Oula, oh. Tu sors toi, Billy. Oula. Bah oui, bah forcément, on prend un... Pff, ok, bah là, c'est mort, là. Allez, mais putain, s'ils pouvaient se toucher entre eux, c'est... Ok, combien d'ennemis, quoi? Oh! Oh, c'est beau, ça. Oh là là. Oh là, il y a de la maîtrise. Oh là là. On sent le master. Mais toi, t'as une épée... De saloperie quoi. Putain mais comment je fais là? Oh putain, nom de Dieu. Nom de Dieu quoi. Attendez, ouais, je me casse moi. Allez vous faire voir quoi. Ok mais il y a combien d'ennemis? Ah. Un cœur. Merci. Que ce son s'arrête, faites juste qu'il s'arrête, merci. Casse-toi toi déjà. Putain vous, je peux pas vous voir en photo de Bruce Wayne à la con. Ah, un cœur, un cœur, un cœur. Vite avant qu'il disparaisse, si il disparaît comme dans tous les jeux. Sûrement. Tiens, un petit coup fourbe. Tiens, un petit coup fourbe. Oh, tiens, un petit coup fourbe. Tiens, un petit coup fourbe. Putain, je vais dedans. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non, un pot. Ah oui, un coffre. Qu'est-ce que tu as dedans? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui est de la porte du boss? Oh putain, non, je suis pas prêt. J'ai plus de vie, mec. Oh là là, il faut que je me retape tout là, vous êtes. Sérieusement, sérieux? Seriously, serious. Biatch. Ouais, il faut tout ce que je les tue quand même quoi, ça change pas trop. Ah putain, saleté. Une belle saloperie ça, il se met toujours où ça me fait chier. Boum. Ah merde, il est pas mort. Est-ce que t'as un con qui me poursuit? Mort. Ok, là ça va être le combat sans piternel, boum. Non. Non. Oh. Allez. Oh putain, nom de Dieu. Meurs. Yes, il y a 5 heures, oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est... Cette chauve-souris a du maquillage de prostituée. J'ai l'impression que j'en ai, mais bon, écoutez. Meurs, meurs. T'es trop con pour vivre? T'es trop con pour vivre? T'es trop... Arrête de me parer, ça m'énerve. Deux, trois... Il peut me parer trois fois ou quoi? Ouais, trois fois. Ah, ça s'ouvre. Ouais, mais ce que je pensais, ça s'ouvre de ce côté aussi. Bonjour, bonjour, bonjour. Pichour, pichour. Ah ok, je vois où on est. Bon bah le boss, hein, écoutez, j'ai un carré de vie, ça m'a l'air pas mal.
Ça m'a l'air jouable, on va dire. Hein. Oh non, je suis pas allé. Il faudrait que j'aille à la save. Y a pas une save par là? Il me faut une save. Ah, bonjour. Heureux de vous voir par ici, donc. Une étoile? Ouais, c'est bien ce que je pensais, de la merde. Donnez-moi un truc qui me redonne full life, s'il vous plaît. Un truc full life. Déjà un peu de cœur là. Oh, saloperie. Vous réapparaissez dans le niveau, vous, nom de salaud? Allez, viens là, toi, que tu me donnes un cœur un peu. Tu viens? Eh ben putain, t'as mis du temps, merci. Faut pas que je crève contre le boss, quoi. La pire des conneries. Et arrête d'avancer. Je crois que je vais y passer, hein. Toi aussi. Ah, pas de cœur. C'est pas bon, ça. J'aime pas quand il y a pas de cœur. J'aime pas quand il y a pas de sauvegarde, surtout. Est-ce qu'il y en a une par là, au moins? Oh putain, allez vous faire voir, vous. Putain, ça me saoule. D'où il sort? Ok, non, c'est bon, dégage. Je ne t'aime pas plus que tu m'aimes. Restons-en là. J'aime bien que le mec, il est juste la visière d'un casque sur le crâne, vous voyez? Le perso, je l'ai pas vu. Est-ce que c'était ce truc depuis le début? Bonjour, je marche dans la couleur où je ne vois que ma tête. Oh oui, bah voilà. Ok, ok, ok. Mauvaise idée. Pourquoi est-ce que j'ai pété ces trucs? Oh là là, frappe, il s'envole. Toi, frappe, merci. Putain. Elle va encore me parler, c'est avec sa grande bouche. J'espère que ce n'est pas encore un horrible monstre. Peut-être un monstre mignon, cette fois. Pff, toi, tu sais rien, toi. Tu connais rien à la vie. Alors, quoi de beau? Quelque chose approche, biatch. Qui dit ça? Oh, bonjour. C'est un Imo? Ouh là là. Il te ressemble, Heisenberg. Est-il réel ou est-ce simplement une ombre? C'est moi, mais en mode darkness, non. Oh, il est stylé, je voudrais... Wow, il est trop soin, mais il fait trop mal. C'est moi juste à prendre sa stratégie, je vais l'apprendre. Je vais l'étudier. Et saloperie, comment je fais pour toucher? Oh putain, mais il est trop fort, il a des Bruce Wayne. Viens là, toi. Mais putain de Bruce Wayne, tu peux pas me toucher, c'était de dos. Oh là là, oh là 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 là, le fiasco. Fiasco. Non! Putain, c'est un fiasco là, je peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire, Heisenberg? Heisenberg Black version. Ok, commence à y avoir sérieusement des chauves-souris. Ok, je vais le rush. Mais putain, je sais pas moi. Oh non. Oh non! Putain, les enfoirés quoi, mais je pouvais pas save. Allez vous faire voir tous quoi. Je vous hais tous. Putain que je vous déteste avec ce jeu. Oh non de Dieu quoi. Putain mais je suis pas god hein. Putain casse-couille quoi, je vais pas tout remarcher pour revenir faire ce point de sauvegarde à la con non plus, si. Allez vous faire voir. J'irai pas lentement moi, j'y vais comme ça moi. Allez toi je t'avais oublié toi, ici c'est le passage des biatchs. Non j'ai loupé putain, tout à l'heure j'ai passé du premier coup, c'est quoi? Oh là le troll là. Ouh là là le gros troll. J'ai l'impression de jouer un Death Run là. Putain. Ça me gavait vite ici. Non! Non! Putain, on a sécurité ici. Allez. Là, ça va pas se refermer derrière, si. Ah non, ça se referme pas. En fait, j'aurais pu aller au boss, c'est ça le délire? Mais trollez-moi, mais ça ira plus vite quoi. Je savais pas, moi, je ne savais pas, j'étais innocent à l'époque. J'étais jeune et innocent, je ne savais pas. Donc en fait ça conserve ce qui se passe, d'accord, bah, très bon à savoir, c'est très excellemment bon. La musique est bonne, hein, mais bon, elle prend le chou. Bonjour. Allez, tu ressors de mon corps. Ça t'amuse. Allez, allez, oui, biatch, dégage. Arrête de parler avec ta bouche. Oh le con, ok. J'ai enfin compris, je l'ai compris. Ok, bah comme quoi il faut juste comprendre. J'aime bien les boss comme ça un peu à l'ancienne où il faut comprendre un peu comment ils... Non, bah... Pff. Allez ya yeah. Yata. Oh putain. Oh putain, c'est chaud là. Oui, le con. C'est le prix de chauve-souris. Non, bah oui, bah forcément, là, en plein milieu. Arrête, putain. Il s'est excité, là. Il m'en a fait 5 ou 6 d'un coup. Bon, d'accord, peut-être pas 5 ou 6, je suis un peu marseillais. Oh, putain, mais je t'emmerde, mais autant crever direct, quoi. Oh là là. Oh là là, mais... Allez vous faire voir, moi je veux passer par là parce que je pensais que c'est... Bah allez, pff, je pensais que c'était plus rapide, mais allez vous faire voir quoi.
juste voir passer par là combien de temps ça prend. Mais ici c'est horrible quoi. Non bah vas-y, c'est quoi? Et c'est infect par ici hein. Toi être crucifié direct quoi. Oh non. Bah ouais, c'est mieux comme ça, allez, tu sais quoi? Ça me saoulait vite. Là j'ai bien envie de crever moi. Oui bah tue-moi. Toi t'as l'honneur de me tuer, putain de mage à la con. Ok, il veut pas. C'est la première fois qu'on lui demande et qu'il veut pas lui. Ok, bamos. Alors, je retrouve mes touches sur mon clavier. Vous allez sûrement pas me pousser dans le feu, mesdames et messieurs. Ok. C'est tellement douloureux de se faire toucher. Ça blesse mon ego à chaque fois que je me fais toucher dans ce jeu. Je m'en ai pas pourquoi. Ça le fait, c'est tout. En plus, on va aller tellement vite là maintenant. C'est chiant quoi de devoir se retaper ça. À chaque fois. C'est lourd, c'est relou. Non. Oui. En plus au clavier quoi, c'est tu chiales un peu parce que moi je peux pas. Je suis vraiment les doigts collés au clavier quand je joue avec le clavier parce que je peux pas lever. Il y a un truc qui porte mon micro au-dessus donc. Je suis un peu bloqué. Je suis mince et doigts liés si je puis dire. Non. Pourquoi il est obligé d'être blond quoi? Ça me saoule ça. Why God? Why? Parce qu'il est obligé d'avoir les cheveux comme ça aussi, une espèce de choucroute capillaire. Bonjour. En fait, c'est un super saiyan quoi. Ok, je suis content de savoir ce que je savais déjà. Oh le con, direct. Merci, tu t'es grillé tout seul. Pourquoi t'as pas fait ça tout à l'heure? Allez, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Non. Rapproche-toi petit. Voilà, attaque-moi. Je t'autorise à m'attaquer, fais-le. Il se met toujours dans le sens pour que... Pas se prendre un mur ce con. Pas cette fois. Il va commencer à s'énerver là, non? La musique est bien là. Non, putain, j'ai pas bougé, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Je persiste les signes, on peut le faire. Voilà. Voilà, boum. Je m'attendais tellement pas à ce qu'il attaque. Et je veux être comme lui là, c'est pas... Eh, non! Non! Yes! Y'a pas moyen, hein. Si je suis pas comme lui, je ne suis pas quoi. Je veux lui voler son skin, c'est tout. Oh nom de Dieu. Eh nom de Dieu. Saleté. Oh, il y a un point de vie. Merci, en fait, il a redonné point de vie aussi. Tant mieux qu'il soit là. Voilà. Oh là là. Alors ça. Ouais. Finish. Yes. Alors ça, c'était beau, ça. Je peux vous dire que c'était beau. C'était même magnifique, quoi. Et on avance. Et là, on me dit que c'était pas un vrai boss. C'est ça, non, de délire. Si, c'était le vrai boss. C'était pas lui hein, qui avait marqué sur la pancarte. Qu'est-ce que c'est que ça? Épée légendaire, elle a l'air lourde, mais elle vous rappelle quelque chose. Qu'est-ce qu'elle me rappelle? Ah, ok, je peux péter des trucs avec ça, c'est ça? Non? Ok, non, elle est pas plus lourde que l'autre en fait. Ok, qu'est-ce que t'as à me dire, toi? De l'air frais. Nous avons atteint la sortie des mines. Alors, allons vite au village, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Si, il est trop tard. Ah. On va 3D en attendant la quatrième dimension. Ok. Ouais, voilà, et bim. Oh oui. Une tortue, tiens. C'est quoi ce délire? Oh, saleté, va. Heureusement que tu fais pas aussi mal que t'en as l'air. Ah, je peux choisir qui attaquer, voilà, un au moins. Toi, tu die. Boum. Alors, toi, la grosse, là. Tu dois disparaître, voilà. Magie, soin, merci. Merci l'ami. Salut l'artiste. Ah, boum. Mais crève un peu toi. Prétentieuse qu'elle est là. Je vais encore attaquer là, non? Ah non, j'ai cru. Oh, il fait sa petite attaque, lui commence à me saouler. Grand-mère, tu meurs, je voulais dire. Mais bon, c'est pas grave, tu meurs, ça marche aussi. J'imagine. Yeah. Ça rigole plus à niveau de l'XP. Ok, alors on avance par là, voilà, au pif. Nom de Dieu. C'est quoi ça? Au moins il y a des nouveaux ennemis. Aïe, pourquoi c'est eux qui commencent? Dégage. Raté. Putain, comment tu rates ça quoi? Plus c'est à elle de jouer. Merci pour les PV, madame. Mesdames. Toi, tu dois mourir. Mais putain! Le rater deux fois quoi, faut le faire exprès. Oh putain, ça rame en plus. Ça, je supporte pas ça. C'est le genre de truc que je supporte pas.
Ouh la frappe. Voilà donc Reu, alors frappe ça pétait un câble donc bah écoutez ça m'a pris 3 secondes là mais j'ai dû refaire un truc Audacity et j'ai dû tout fermer derrière ce qui tournait en fond sur mon ordi pour voir si ça change quelque chose mais frappe ça pétait un câble, il est descendu à 1 FPS, j'ai cru que c'était la fin des temps quoi. On est toujours dans le même combat comme vous pouvez le voir. On va pas plus tard d'ailleurs. À moins qu'il y ait la musique épique. Au revoir. Ok mais tu meurs toi, tu as compris ça? Allez au revoir. Yeah. On peut arriver à ton putain de village un jour? Ah, c'est ça le putain de hameau là? Oh mais putain mais elle est crevée quoi. En plus ce qui commence, ça me dégoûte. Ah putain mais il le rate, ça c'est horrible ça. Comment tu peux faire ça quoi? Il va le rater une deuxième fois tu vois. Alors, je vais être heureux. Et en plus il me fait 4. Ah ça il l'a pas raté, nom de dieu. C'est-à-dire il a raté deux fois quoi. Allez, mourez. Désolé avec moi que les trucs au tour à tour comme ça, ça me gonfle vite. Je vous le dis, hein, je suis honnête avec vous, écoutez. Je ne vous mens pas. Bonjour. C'est ton putain de village. Décor précalculé, une petite évolution graphique. C'est vrai. Resident Evil, quoi. Salut. Enfin, nous y sommes. J'espère que tout le monde va bien. Je suis contente que le village ne soit pas encore corrompu par le mal et si le pouvoir du cristal va suffire. Ça sent la grosse histoire, là, quand même. Bonjour, je peux save. Voilà. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Rien. Le village était florissant, regarde-le maintenant, l'arbre de mana protégeait tout le pays. Mais il semble que quelque chose soit revenu dans la citadelle des ombres. L'arbre de mana est tellement corrompu. Tout Aogai pourrait bientôt disparaître et le mal ne s'arrêtera pas là. Non, monsieur, il ne s'arrêtera pas là. Si je peux rentrer là? Non, ça serait trop demandé. Oula. Énorme. Amazing. Bonjour. J'entends une rumeur inquiétante, les gens disent que Bosquet Sacré était corrompu, c'est un endroit merveilleux. Si c'est vrai, je crains qu'il n'y ait plus d'espoir, dis donc. J'aime bien la musique, elle est épique. C'est pas trop dégueulasse aussi, regarde. Ça, j'aime bien ça. Ah, voilà, des coffres en 3D, j'aime bien. Voilà, gamin hyperactif, il court comme ça toute la journée, d'accord. Est-ce que je vais débloquer d'autres là, un forgeron? Joueur de cartes prêt pour une partie. Ah, je pourrais jouer avec eux si j'ai bien compris. Marchand un peu cher, il y a toujours des gens pour profiter d'une crise. Salut. Je peux jouer avec vous? Ok. J'adore le tout, pas seulement le jeu, mais aussi les cartes, c'est pas. J'aimerais avoir une collection complète un jour. Bah, moi j'en ai pas quoi. Ah, non, c'est vrai, j'en ai pas assez. Bonjour, gamin qui arrête pas de courir, qui fait chier le monde. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Oh, redis-moi en face. Je suis fatigué, je préférais jouer avec des pétards. Ouais, bah non, pas de pétards. Je vais tuer des gens. Alors, potion queue de phénix, lecteur de DVD. Oui, bien sûr. Armure d'argent, boum. Voilà, biatch. Vendre. Une potion, sûrement pas. Acheter rien. Au revoir. Acheter rien, j'ai dit. Au revoir. Saloperie de vendeuse. Escroc. 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 Jetez-lui des fruits. Pourri, bien sûr. Bonjour. Les ruines de Sarundak au nord-est contiennent de nombreux trésors, mais tu as l'air sympa. Je te ferai un prix sur les soins si tu décides d'y aller. As-tu besoin de soins? Non. Va te faire voir. Au revoir. Il s'en va en courant. Qu'est-ce qu'il va me dire, l'autre con? Nous ne pouvons pas partir sans parler à mon oncle. Il fait chier, ton oncle. Hein. Écoute, hein. J'étais tolérant avec lui, mais il fait chier. Non, non. Non, 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 non. En tout cas, ça augmente très vite, hein, très vite, hein, le niveau graphique. À ce niveau-là, dans une heure, on est sur du crisis, là. Tin, tin, tin. Oh. Ok, Fraps, Fraps, putain, surveille ton langage, Fraps. C'est un faux chargement, Fraps, tu l'as compris, ça? Oh, putain. Il va me tuer, hein. Il va me tuer, Fraps. C'est pas possible, quoi, mais qu'est-ce que j'ai fait au dieu? Eh ben, nom de dieu, Fraps, putain. Mais c'est chiant, quoi. Je vais passer plus de temps dans le montage que dans le jeu, quoi, rien que pour régler ça. Nom de dieu, ça va être chiant, ça. Oh là là, vous vous rendez pas compte. Oh, putain, je l'avais fait avec des aides. Oh, j'avais chialé quoi, ça m'avait pris du temps, mais un temps monstrueux. Bonjour, bonjour, bonjour. Ok, je me suis téléporté à Stunté. Mon oncle, Biatch, est-ce que tout va bien? Entrer un non-cide, ça me paraît très bien. Tu es de retour, le mal continue à s'étendre, presque la moitié d'Aogai est déjà touchée, nous devons agir vite. Pourquoi elle saute de joie l'autre? Nous avons le pouvoir du cristal ainsi que l'épée de Claude. De Claude. Ça devrait suffire à vaincre le mal qui se cache dans la citadelle des ombres. Je vais aussi trouver à SNPR pour manier l'épée. On est fin prêt.
Qu'est-ce qu'il va dire lui? Il va faire chier le monde, non? Oula, oula. Pas si vite, vous aurez besoin de la mine de Gand pour entrer dans la citadelle. Évidemment, elle a été séparée en deux parties. La première se trouve dans le bosquet sacré. Vous trouverez le bosquet sacré au sud d'Aogai, dis donc. J'y suis allé la semaine dernière et la falaise près de l'entrée s'était écroulée. Vous aurez besoin d'une bombe pour libérer le passage, donne-la-moi. Garen, le joueur de cartes chauffe sur la place du marché, il était un officier dans l'armée, il s'est peut-être trouvé des bombes. D'accord. Essaie de trouver des bombes. D'accord. Je dois trouver un moyen de devenir plus fort, j'aimerais bien. Je vais essayer de trouver quelque chose dans la bibliothèque de mon... Mais putain, je m'en fous de ta vie. Dégage, ouais. Alors qu'est-ce qu'il va dire encore? Je vais te rejoindre plus tard à chercher les bombes. Oh, tu vas te calmer à me parler comme ça, toi. Sauf que tu vas dans la direction où je vais aller, donc tu fais chier. Bonne chance. Alors, une membre du groupe se sent seule tout d'un coup. Oui, c'est vrai. Chargement, un faux chargement. Frappe, c'est un faux. Calme-toi. Ah, salut. Décor HD, c'est beaucoup mieux. Ah oui, bah oui, j'ai bien fait de le trouver, ça. Rien d'autre à dire, toi? Ça fait 60 ans, ok, ok. Shut up, je m'en fous. Oui, décor HD, c'est mieux tout de suite. Là, c'est beau, oui. J'aime bien. Ah oui, j'aime l'idée. J'aime. J'aime. I like. Bitch. Yeah, ah oui, là c'est plus beau là, effectivement. Ah oui. Je vais sauvegarder. Que ce jeu de fourbe, on sait jamais quand on peut crever. Au détour, je sais pas quoi, on crève tant. Fada que tu es, va. Tun, tun, tun. Vous imaginez bien que pour les décors HD, ils ont. Enfin, pour les décors pixels d'avant, là, ils ont juste pris les décors HD et ils ont pixelisé. Hein. Ils ont pas fait chier à refaire deux fois le truc, je pense. Allez, chauve. T'as quelque chose à me donner, toi hein. Pris ma retraite il y a trop longtemps, tu aurais pas. Oh, tu me fais chier. Ok, tu me saoules toi. Une bombe? Non, pas de bombe. Toi, putain, t'es celle qui devrait en vendre quoi. Vendeuse de tapis médiocre. Bonjour. Ah toi, l'infirmière, tiens, viens infirmière avec des bombes, bah oui. Oula, mais elle me saoule elle. Attendez, c'est quoi là ce rallongement de la durée de vie là? Je vais pas passer ma vie à courir hein. Elle là, elle a des bombes? Bien sûr qu'elle a des bombes, c'est le marchand. Non? C'est pas elle alors. Bah elle est tout en haut là, putain je vois laquelle c'est, mais on lui a parlé il y a 3 secondes quoi, elle aurait pas pu direct nous donner les bombes celle-là, cet escroc qu'elle est. Non. Je commence à connaître la musique hein, ça c'est sûr. Escroc! Voleur! Pendez-les! J'aime bien tous ces petits chargements organisés. Bonjour. Des bombes, tu dis? Oui, j'en ai dans ma cave. Elles sont là depuis la game. Je suis sûr qu'elles fonctionnent encore très bien. Mais il va falloir que tu fasses quelque chose. Oh putain, mais va te faire foutre. Putain, vous profitez tous de moi. Un dragon, il faut se débarrasser de cette créature. Oh, tu trouveras à l'entrée sud du. Mais allez, tous, mais tous. Je vous le dis honnêtement, tous vous faire voir. À me faire tourner en rond là. Je peux vous dire, quand j'aurai fini, j'aurai tout purgé du mal ou je sais pas quoi. Mais je vais revenir et ça va être moi le mal contre vous. Putain, vous n'allez pas comprendre ce qui s'abat sur vos têtes quoi. Donne-moi ça, toi. Merci. C'est toi, là, avec ta grande bouche, là, qui est censé me dire. J'ai même dit à ce gamin de rentrer au village. Je le vois toujours en train de jouer. On peut pas laisser un enfant jouer dehors. Tu devrais parler à sa mère, elle habite du côté de chez Sid. Oh, ça va durer longtemps, ça? Non, mais sérieusement. Casse-couille, quoi. Casse-couille. Je cherche à avoir une récompense pour ça. Hein. Encore si l'histoire, elle était solide. Ça me dérangerait pas plus que ça. Bonjour. C'est grand pour ça que les dragons n'existent pas. Oh, tu me saoules, toi. Ce satané gars, ok, comme ça tu parles de ton fils. A dû voler les bombes d'un cave de la vieille dame. Il me semblait bien que ses pétards étaient un peu gros. Dis-lui de te donner les bombes. Ouh, putain. Y'a pas de dragon, ça déjà c'est une bonne nouvelle. L'autre elle va pas vouloir accepter, si. Elle va venir, mon cul, y'a un dragon, je l'ai eu en 1960. Ok, j'ai tiré en trave là. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi? T'as rien à me dire, toi, peut-être. Toi t'as rien à me dire, menteur, voleur, tricheur. Je vais lui reparler à elle parce que j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit de toute évidence. Allez parle-moi, parle-moi. Et il est où ce satané gamin de mes couilles? Bon, ok, je m'en fous, je vais aller voir le gamin là qui court autour du puits. Il va arrêter de me saouler lui, je vais trancher la tête, je vais prendre les bombes. Je vais lui chier dans le cou. Et on sera bon pour jouer peut-être. Ou je vais continuer à déambuler dans ces quatre pauvres plans là. Je suis en mode rage. C'est à cause de Fraps, hein, juste à cause de Fraps. Bon. Bonjour. Petit enfant. Vous savez, le coup... ma mère, c'est à cause des bombes, il a dit aïe aïe aïe.
Je peux en garder une, non, on va te faire foutre. Tu me donnes tout. C'est bon, des bombes? La bombe, bah. Oh, elle est revenue, elle, dis donc. C'est sûr, j'ai mis une heure à trouver une quête, elle a eu le temps d'apprendre des choses. Ah. J'ai trouvé les bombes. Ah oui, la bombe à utiliser avec précaution, mon cul. À utiliser comme je le souhaite. Parfait, allons au bosquet sacré au sud du village, il n'y a pas de temps à perdre. Bah viens, bitch. Bitch, bitch, bitch. Non, non, non. Voilà, j'aime bien, il y a des lampadaires. Il y a de l'électricité donc. En même temps, on a vu un truc qui volait tout à l'heure. Ah, attendez, attendez. Wow, 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 on va pas se faire niquer non plus. Save, bitch. Tout votre stress disparaît, mon cul, il commence à venir, mon stress là. Au sud. Allez vous faire voir. Je suis à peine sorti. En plus, il n'y a pas de forêt. On est dans le désert. Touche-le. Fais en sorte que tu le touches, s'il te plaît. Merci. 33, don de Dieu. Ah, ils m'ont raté, les cons. Magie, qu'est-ce que c'est ton sort? X cristal. Fais-le, hein. Fais-toi plaisir. Ouh là, oui. Alors ça, oui, je dis oui. Ouh là, elle a fait beaucoup de dégâts avec son X cristal. Merci bien. Niveau 7. Il habite là, le dragon, je suppose. Satanique. Ah, mais il y a une forêt, là. Je pourrais pas avancer. Allez, meurs, 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 en lance du démon. Die. Boum. Biatch. Tu vas me faire ton petit dragon, toi? Non? Tu veux pas? Bah tant pis, écoute, tu vas me faire voir, apparemment. Je me suis trompé, en fait. Merde, je me suis encore trompé, quoi. Ouf. Allez, die. Voilà. Merci. Ah, si, je peux y aller. Putain, j'ai eu peur. Oh, c'est beau. Ok, c'est beau, mais j'arrive pas à m'orienter. Bombe, bomba. Inventoria, bomba. Et pff. Ridicule. Ridicule. Je troll. J'ai cru que ça allait me faire du mal, moi. Ok. Elle est trop lourde. Après, j'en ai à l'infini, fallait pas faire ça, les mecs. Hein. Moi, des bombes à l'infini, ça évitait de régler cette affaire. Toute bombardée, genre. C'est disparu? Non. Bah non, bah écoute, j'ai envie de dire des pierres avec une bambouille, ça part, mais un arbre avec une bombe, bah non. Écoute. La végétation est plus forte que tout, hein. Les pommiers peut-être? Non. Oh, un cristal. Ah, un boss. Voyage dans le temps, un cristal permet de passer d'une époque à l'autre. Pas que je veuille le faire non plus. Allez, d'accord. Ok, c'était pas encore né les trucs apparemment. Ne pas brûler les petits armes. Écoute, je vais le faire, hein. Non, je peux rien faire. Non, 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 non. Ok, là je vais brûler les petits arbres, c'est ça? Oh. C'est quand même plus beau, hein, comme ça, nom de Dieu. J'ai bien compris, je vais le pousser, non? Ah, il me faut un arc. Ouais, il me faut un arc, je pense. Un arc. Cristal là-haut, d'accord. Ok, mais ça devient portal, ce jeu. Non, comment il s'appelle? Singularity, voilà. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu. On pouvait un peu voyager dans le temps. Enfin, on pouvait changer, ramener les éléments dans le temps. Enfin, vous connaissez ou vous connaissez pas, merde. Oh, les biatch. Faut que je retienne ce chemin parce que je vais l'emprunter beaucoup de fois. Vu comment ça commence. Il commence à faire des faux chemins, hein, bah oui. Te tue. Oh, la putain de pute. Te dieu que c'est fourbe. Non. Il va me faire tomber, lui. Oh putain, j'ai failli tomber encore. Vous y croyez à ça? Allez, viens, viens de battre. Non, putain, mais attendez, il me fait tomber à 40 mètres à un truc qui a rien à voir, quoi. Il me fait tomber dans une case qui a rien à voir, tu sais. Viens. Mais oh, mais là, c'est une honte, là. Cette hitbox, putain, on peut pas la trouver, la hitbox, sérieux? Vous avez trouvé une hitbox dans un coffre. Yeah. Putain, belle saloperie, quoi, pour avoir le coffre. Ok, belle saloperie pour avoir quoi que ce soit, je peux pas bouger. Ok. Bloqué de l'infinité. Il y a un passage là, non? Avec que dalle, je vois pas. On s'en fout. Bonjour, je veux juste survivre. Survivre! Non. Ça arrête pas le temps, hein, quand on est dans l'inventaire, donc attention. Attention les enfants. Je veux le coffre. Oh non! Pourquoi j'ai voulu ce putain de coffre? À la mort, moi, le neuil. Neuil, neuil, neuil.
ça encore. On voit que je commence à m'en rappeler du truc parce que putain. Mais crève! Putain! Je me défoule sur lui quoi. On peut pas l'avoir en fait ce connerie. Par là sûrement. Ça me fait faire un détour mon pauvre. J'irai qu'une fois, hein. Moi je peux te le dire. Le coffre! L'arc. L'arc de vie comme on l'appelait. Voilà. Ah, un coffret des vitae aussi. Bon, c'est indispensable que vous ayez le coffre du milieu, hein, comme quoi. Bien fait. Ah, une étoile, yeah. Biatch. Allez. On se casse, mais vite. Je serais bien jeté dans la lave si j'avais plus de vie, t'sais, pour aller plus vite. Parce que là... là, voilà, quoi. On est pour 1h30, quoi. 1h15, j'ai envie de dire. Il y a un passage par là, ouais. C'est bien ce que je me disais. Bien que tout ça aboutisse à un troll. Je connaissais les tenants et les aboutissants. Au revoir. Au revoir. En tout cas, très bon jeu hein, pour l'instant. Oh putain, vous êtes tous là de retour. Ah putain, mais mes pires ennemis quoi. Oh là, j'ai le pire, je l'ai craché quoi. Pires ennemis. Mes pires ennemis quoi. C'est un truc de dingue. Ok, non, l'arc. L'arc. Saleté. Yeah. Je suis pas le brûlé cette saloperie. Bah putain, peut-être que je revienne dans le temps pour le brûler. Je sais pas pourquoi ça aurait plus de sens, mais ça en a apparemment. Il faut croire, écoutez, il faut croire. Ok. Écoutez, j'ai envie de dire, si ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir. L'arbus ne sera plus dans le futur, merci. Je suis pas totalement débile. C'est con que ces arbres fassent la taille de Minimoys, hein, sinon on pourrait tout simplement passer entre. Oh. On m'appelait Legolas dans le milieu. Milieu de l'archerie. Oh, lui on l'appelait le... Oh mais putain, ok, alors lui on l'appelait l'homme mort. Bruce Wayne est mort, voilà. Vive Bruce Wayne. Mais les mecs, s'ils ont mis un cristal, ça sert à quelque chose, mais trollez pas. Ça évitera des litiges entre nous. Bon, je suis sûr qu'il le faut déjà au moins pour aller chercher le coffre. Non, 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 non. En tout cas, la transition se fait parfaitement. Oh putain, saloperie. Ah, là il y a un arbuste. Ok, j'ai compris. C'est un peu comme les feux du Gondor, si vous voulez. Si vous comprenez. Voilà. On peut pas être Einstein pour comprendre. Yavol. Ok, yavol, yavol. Bah, écoutez, on peut revenir back into the future. Yeah. Back into the fucking future. Bitch. Na 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 na. Non, ne pas oublier de sortir l'épée face à Bruce Wayne. Hop, lui je l'ai touché, mais Sidebox à lui c'est n'importe quoi, hein, vous l'avez remarqué peut-être. Ah, il y a un feu qui s'est éteint depuis longtemps. Il y a encore les braises, ça tombe bien. On me la fait pas, moi. Je sais reconnaître une pierre fissurée. Voilà, à quelle fin, on ne sait pas. Dans le doute. Ok, dans le doute, toi t'es la pierre d'infinité. Meurs. Alors attendez, là il y a un passage, d'accord. Là, je dirais. Tout simplement, quel con. Là. Heureusement qu'on a que 3 trucs dans l'inventaire, sinon je passerai ma vie à changer, quoi. Ok, alors je vais quand même aller en... Y'a rien, là, au bout? Ah, si, y'a le cristal que je peux tirer dessus, je pense. I think so. Yavol. Bonjour. Bonjour. Je suis le ramasseur de coffres. Le looter fou. Y'a... Étoile, je sais pas quoi c'est rien cette saloperie, mais je me fais toucher à un gros troll. Voilà. Au revoir, bande de salauds. Q plus. See you later, bitch. Bitch. Moi l'arc vite fait. Ya. Yeah. Dans le doute. Ok, alors. Alors. Mes aïeux. Ah. Je peux donc aller ici. Très bonne nouvelle. Pour Bruce Wayne. Pour Bruce Wayne, pour moi plutôt. Les saloperies de poulpe. Ça. Achète-toi une hitbox. Voilà. Je préfère. Ok, le buisson de l'infini. Et là, toi, je sais que t'en as envie, ça te démange. Ah, j'aime bien le bruit, on dirait qu'il pète quoi, quand il meurt. Farting. Je sais pas s'il faut que je le vois, mais en tout cas, j'ai tiré. Bonjour. Allumez mes feux pour entrer. T'inquiète pas, ils seront allumés tes feux.
Allumez les feux pour entrer. Non, je peux pas tirer à travers les arbres, ce serait trop simple. Oula, Bruce Wayne, Duel of the Fate. Dégage. Oh, bitch! Oh, lui c'est un menteur. Ce Bruce Wayne là, c'est un menteur. Bitch. Easy. C'est moi juste tout pété. Voilà. Y a un buisson là qui me prend le chou. oui d'accord, alors le buisson qui me prend le chou, on va revenir en arrière, ça va vite être réglé son cas. Le cas buisson qui prend le chou comme on l'appelait dans le milieu. Ah bonjour buisson qui fait chier aussi, je suis sûr que j'en aurai besoin, voilà. Oh la saloperie, ça fait longtemps qu'il traînait, qu'il attendait son heure, vous l'avez vu hein, depuis le début de serre, je l'ai épargné, bah voilà. La gratitude, comme on appelle ça, saloperie de gratitude. Je peux dire qu'à mon temps on n'aurait jamais fait ça. Voilà, merci bien. Par contre la flamme c'est toujours un JPEG en 2D hein. On me la fera pas. Ah là c'est bon, celle-là c'est fait. Bitch. Non, je pourrais pas rentrer là non si je fais pas le cristal. Dans le doute je vais pas le faire. Si putain je sais pas. Bon écoutez on va rentrer. On rentre au bercail. J'espère que c'est pas une stratégie pour que je revienne et... Ah si putain c'en est une. Why god why. Putain, je me tape dans tous les murs quoi quand j'avance. Yeah. J'espère que je vais durer pas 7 heures parce que sinon j'en ai pour 7 heures. J'ai dit que j'arrêtais pas avant la fin, bah putain, j'ai des balls. Ok. Dans le doute. Voilà. Ce sera pas perdu, j'ai envie de dire. Ce feu n'est pas allumé donc. Why god, why should I do that, bitch? Ah ok d'accord, bah c'est bon, ils sont allumés là tes putains de feux. J'ai l'impression que j'ai allumé les deux donc fuck it. Ah oui j'ai allumé les deux. Ah oui, non, d'accord. L'énigme prend son sens ici j'ai envie de dire. On ressent vraiment la philosophie derrière le truc. Ah ok. Je peux tirer d'ici c'est ça? Non? Pourquoi il y a des buissons alors? Oula. Compliqué. Ah, peut-être comme ça. Non. Si des gens savent ce que je suis en train de faire, qu'ils me communiquent, j'ai envie de dire. Qu'on me le dise. Alors, quoi de beau ici? À part le truc que je peux shooter. Alors, je peux même pas en plus. Troll.com. Site de rencontre de trolls en ligne. Laisse-moi juste retirer sur toi alors. J'ai envie de dire. Ok, je suis bien heureux mais. La flèche est bien faite hein. Je suis bien heureux mais il y a toujours ce buisson qui me fait chier là. Saloperie de chauve-souris qui pointe son nez. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? La grande question. Qu'est-ce que. Ok, alors j'aurais pu revenir pour ouvrir. Je pourrais revenir là pour prendre le coffre déjà. Ouais. Je pourrais faire ça. Je pourrais, mais est-ce que je vais le faire? Oui, je vais le faire. Je peux l'avoir, bien sûr. Putain de dieu. De dieu. Fin dieu. Si je pouvais ajouter juste une musique dans le jeu, histoire que je la connaisse pas par cœur. Ah mais non mais je suis con ou quoi? Oh putain je suis con mais c'est affligeant quoi. J'ai pas besoin de ça pour choper le coffre. Putain et vous me l'avez pas dit quoi, vous me laissez faire. Je vous dis que j'ai la tête dans le chou. Vous avez voyagé 12 fois entre le présent et le passé. Ouais. J'ai réussi ma vie. 12 fois en un seul puzzle. Ils l'ont pas dit ça. Vous êtes un raté, ce devrait être le truc. Je vais juste aller bomber. Bomba le truc. S'il fait son arrogant là, je le vois bien. Toi là. Voilà.
Boum, tu disparais, dit le prophète. Non. Non. Ouh là là. Attendez, j'ai compris. Ça, il y a un cristal juste là. Est-ce que je l'ai touché? Non, apparemment non. J'aime bien l'arc. C'est juste un arc, hein, c'est pas bien. C'est pas bien évolué, mais j'aime bien. Non, mais attendez, je comprends pas. Ah oui, ok. Ok, ok, je comprends, c'est bon. Mon intelligence se développe enfin. Talalalalala. Yeah! Je peux enfin aller chercher ce putain de coffre. J'espère qu'il y a autre chose qu'une étoile parce que là. J'espère que c'est un truc qui fait avancer la quest. Non? Oui? Non? Oui? Non! Le bad! Nanana. Je vais devenir barge. Peut-être que si je fais. Il y a quoi là-haut? M'en fous. Il y a un coffre. Ici, ok. Coffre ici. Un coffre. Yerol. Là. Ah putain, c'est une belle saloperie ça, réussi. Alors attendez. Peut-être que j'ai jamais fait ça aussi. Non, j'ai déjà fait ça. Dans le doute. Dans le doute. In the doubt. Un autre à faire ici, sérieusement. Ah, il y a un feu là. Peut-être. Peut-être que c'est aussi fourbe que ça, hein, écoutez. J'ai pas inventé la fourberie dans les jeux vidéo. Non. J'y croyais pourtant dur comme fer. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, je vais m'en mettre en 3D, je vais aller voir là-bas. C'est un truc tout con, mais je reste encore bloqué comme un trisomique. Que dalle. Nothing. Nothing. Ok, alors là, je cherche, mais bon. Encore faut-il trouver. Il faudrait juste que j'aille m'allumer ce feu. Qu'est-ce qu'il y a en face de ce feu? Qu'est-ce qu'il y a à gauche de ce feu? Qu'est-ce qu'il y a devant ce feu? Peut-être un autre feu plus haut, on ne sait pas. On peut rêver. J'ai un rêve, mesdames et messieurs, j'ai un rêve. Dans lequel tous les feux ne me font pas chier. Alors, c'est quelque chose qui a à voir avec là-bas, sans aucun doute. Comment je fais, nom de Dieu? J'ai pas des flèches à tête chercheuse, si? Voilà, on m'a caché quelque chose, quoi. Parce que là, je peux pas passer, il y a ce putain de truc à la con, là. Je peux pas toucher ce cristal? Les cristals? Si je descends, qu'est-ce que je peux faire de plus, lol? Lol, lol, lol. Déjà je peux m'en mettre en 3D. Mais est-ce que je suis si con que ça? Est-ce que c'est juste ça? Non. Non, je peux pas m'en mettre en 3D. Et je l'avais brûlé ce truc, non? Je l'avais pas brûlé? C'est juste ça qui me bloque? Je suis si con que ça? Je suis vraiment aussi con que ça? Attendez, c'est ça ou pas? Ça, je chiale là. Oh putain. Je vais me pardonner. Pardonnez-moi. Puissiez-vous me pardonner? Nom de Dieu. C'est impossible d'être un incapable comme ça, un empoté. J'espère que vous pleurez pas trop chez vous. Moi aussi. Un de nous, ça suffit. Un de nous qui pleure, c'est bon. C'est déjà trop. Ah, dans la putain de grotte. Ce sera le boss. Crève. Bruce Wayne de mes couilles. Plus je le hais, quoi. Je l'aimais bien au début. Franchement, j'avais pas d'a priori avant qu'il mette son maquillage de fille de joie. Je veux le pousser, ça, non? C'est ce que je pensais. La grosse énigme, encore une fois, la God of War, hein, aussi complexe. God of War, c'est pas non plus une énigme de fou, mais je me rappelle, il y en avait une qui m'avait tenu bloqué pendant longtemps. Une espèce de truc de psycho dans God of War 2. Il y a une rivière où il fallait faire glisser un corps dans la rivière. C'est pour ceux qui ont joué au jeu, je ne sais pas si ça vous apprenez. Oh, ok, mais là, c'est un gros troll, là, attendez. Attendez, je suis censé me défendre, là? Non, mais c'est impossible! C'est impossible! Non, vous êtes sérieux? Comment je fais là? Et je suis pas Dieu les mecs hein. Putain, cette saloperie de Bruce Wayne qui traîne là. Putain, oh allez, il faut que je repousse encore un autre. Mais ok, l'hitbox. Par contre l'hitbox, je sens que ça va m'énerver au bout d'un moment. Si c'est pas déjà le cas, voilà. Il faut qu'il soit dans un couloir le bordel pour que je le touche. Tellement je suis bon.
Ah, voilà, on peut ouvrir les portes, s'il vous plaît. Allez, on est content, il y a 40 ennemis qui vont arriver. Ouais, non, mais là, c'est carrément impossible, quoi. Je suis désolé, à moins que je pose des bombes partout comme un gros fourbe. Ce que je vais faire. Ah ouais, d'accord, forcément. Aïe. Mais pète, espèce de bombe de merde. Oh putain, mais c'est chaud. It's hot potato. Ah là, ça pète là, yes. À chaque fois je gagne un cœur, quoi, j'en perds un autre. Pète, engeance du démon. Explose. Je sais pas si c'est la meilleure stratégie que j'ai là. Bon alors je me l'ai fait à l'épée, sinon y'a pas moyen. Ah putain. Pas maintenant. Ce serait bien trop con. Putain, y'a autre qui se ramène. Yes, ton erreur. Oui, il donne pas de cœur, hein, c'est des gros fourbes. Préférez qu'on les pende par les couilles plutôt que donner des cœurs. Oh putain, là j'ai vu ma fin, les gars. Il a pop près de moi, il a failli m'assassiner, quoi. Ouais, bah c'est bon. Je sais bien que je dois me réveiller, mais pas besoin de mettre un truc de réveil. Ah. Ok, alors toi t'es assez con, donc je suggère. Ok, t'es assez con, mais moi encore plus. Ok, il passe sur les pieux, lui. Boum. Biatch. Voilà qui est fait. Voilà. Tu exploses, s'il te plaît. Merci pour le truc. J'espère qu'il y a autre chose qui nettoie la con. Oui, sûrement, c'est un truc principal. Première partie de l'amulette. Yeah, bitch. Donc le dragon n'existe pas, on est d'accord. J'avais ça en tête depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Deuxième partie de l'amulette. C'est un peu trop simple. J'ai trouvé 10 étoiles cachées. Yeah, je sais pas combien il y en a. J'aurais loupé plein au début parce qu'il y a plein de fissures. Il faudrait que je revienne au début, mais je le ferai pas, hein, bien sûr. Pas se foutre de ma gueule non plus. Il y a un moment, hein, la générosité a des limites. Voilà, j'ai la première partie de l'amulette. Vous êtes content, mon béatch du village? Ok, il y a un ennemi juste devant. Boum! Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Je peux passer apparemment. Laissez-moi passer, bande de boatch, biatch plutôt. Boatch, c'est un peu bizarre. Il suffit juste que je tire un peu n'importe où et puis on sera bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ça, ça devrait pouvoir brûler. Ok, les Bruce Wayne, ça me met pas en confiance déjà. Ouais, je vous le dis, ça me met pas en confiance. Wap! Oh! Je suis un pro. Pro du jeu, vous connaissez les pros de ce jeu? J'en fais partie. Pro des conneries aussi, j'en fais partie, je pense. Je suis membre confirmé du club, quoi. Attendez, j'ai allumé un feu, mais il faut pas que je revienne tout en arrière, si. Si, je crois bien que si. Je crois bien que leur fourberie n'a vraiment aucune limite. Je vais parier sur le fait que je reviens en arrière, écoutez. C'est quand même vachement plus beau comme ça. Saloperie de poulpe. Là. Ok. Je sais pas viser, ça c'est un fait. Ça va être bloqué, bah oui, pourquoi ça le serait pas, j'ai envie de dire, hein. La bloque. Oh putain, vous m'avez bloqué. Encore une fois, bloqué dans ce putain de jeu. Et toi, t'es un gros troll, toi. Hein. Un troll ambulant, tiens, là, je vois la flèche qui se passe à travers. Un petit peu de changement de forme, s'il vous plaît. Faut vraiment que j'aille jusque là, quoi. Moi, ils sont juste intouchables. Non, 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 quoi, non. Non, je suis pas d'accord, là. Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? Oui, c'était honteux, oui, vous l'avez vu, tout comme moi, je suis désolé, vous l'avez vu. Putain, saloperie de population de chauves-souris impressionnante, quoi, pas en voie de disparition dans ce jeu, en tout cas. Non, 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 non. Oui, je la change, je suis désespéré. Ils sont réapparus les autres? Pas intérêt. Bon, logiquement. Ah putain, c'est pas un passage, ça c'est vrai. Si j'en ai un, je peux allumer l'autre.
Wally Walou, si je puis dire. Ah bah c'est bon, j'ai allumé un truc qu'il fallait apparemment. Je ne sais pas quoi, mais je l'ai fait. C'est l'important, écoutez. J'ai fait mon job, quoi. J'ai fait mon job. Ok, il faut que je redescende. Putain. Bien sûr, je pourrais pas l'avoir d'ici. J'aime bien me retransformer. Excusez-moi pour le petit blanc. Écoutez, là du coup, je reviens là-bas. C'est bien parce que dans ce jeu, on avance à l'aveugle, quoi. C'est... On suppose qu'il faut faire ça, donc on le fait et on verra. J'ai envie de dire, on vit. Qui vivra verra dans ce jeu. Voilà, c'est un peu ça le truc. J'espère que j'avais pas besoin de brûler ça, sinon ça risque de mal se terminer pour le jeu. Pour mon écran. Je ne peux pas passer tant... Attendez, je vais juste aller voir ce qu'il y a en bas. Oula, ils sont beaux ces arbres, tiens. Ils ont bien vécu. Ils ont pris des couleurs, hein, depuis l'époque des pixels. Ah. Tous ces arbres morts, le mal a commencé à comble. Nous devons vite rentrer au gars et parler à mon oncle. Nous devons trouver avant qu'il soit trop tard, ok. Non, bah... Allez vous faire voir, je refais pas tout. Si simple que ça, on va rentrer à son village de Pégu. Ah, j'avais oublié ça. Marquez, c'est bien avec ça alterne. C'est la force du jeu, je trouve. Et merde, j'ai tout cassé chez moi. J'ai fait une mauvaise attaque en plus. Mais parce que je mange en même temps. J'ai faim, écoutez. Merci bien. Je vais au moins me faire attaquer là. Non, c'est bon. Oh. Sauvegarde. Sauvegarde. Ah. Bon, on va voir ton putain d'oncle. Qui est soi-disant intelligent. Mon cul. C'est du poulet. Du poulet basque. Bonjour. Monsieur l'oncle. Monsieur Cid. Monsieur Cid. Ah, mais putain. Au nord-est. Ok. Quelle surprise. Il faut que j'aille par là-bas. What a surprise, bitch. Tun, tun, tun. Donnez-moi vite la deuxième partie de l'amulette que j'avais déglingué la citadelle ou je sais pas quoi, on en parle plus. Non, j'irai pas save encore une fois. Merde. J'ai enlevé un truc. Encore ce salopio qui joue là. Intenable quoi. Ce serait mon gosse, peut dire j'arrive, je le noie dans le puits. Pour lui apprendre. Alors, par là. Ouais. On n'aura pas fait 3 mètres. Oh, encore toi, grand-mère tortue. Grand-père tortue, plutôt. Ah non, pas celui du milieu, celui qu'il fallait pas. Allez, X-Cristal sur le gros, il va comprendre sa douleur, lui. 19, putain, c'est quoi ce troll? Boum. Tu périras. Eh merde, mais c'est pas possible d'être con comme ça, sérieux. Tu peux aller... Ah, et boum, hein, qui disparaît. Tu vois, ton grand-père, il est mort. Comme toi. Ah non, toi, t'es un guerrier celtique. Boum, tu dégages. Yeah. Qu'est-ce qu'on est heureux. Allez. Ah, de Dieu, encore les mêmes. Toujours les mêmes qui sévissent. Et on ne prend aucune mesure. Aïe. Oh non. Putain. Par principe que ça m'énerve quoi. Bon, ça changera à l'issue du combat, mais merde. Niveau stratégie quoi, c'est pas top. Non, non, ça m'énerve. Toi tu manges 22. Voilà. Et merde. Et merde. Boum. Aïe. Toi tu vas périr, tiens. Voilà, bitch. Niveau 8, c'est cool. Ah là 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 là. Ah putain, au moins on a trouvé où il faut aller. Oh, hello, je suis content de vous voir vous. Des Pacoon ou des Zapidia, je ne sais pas lesquels c'est. On va supposer que c'est des Zapidia. Et ils m'ont mis cher là.
Et merde, on peut revenir en arrière? Ah yes, on peut. Si je l'avais su avant. Au final, je me remets de la vie, mais bon, il m'en enlève plus que je me remets, je suppose. Aïe. Aïe, je mange. Aïe. Soin. Pas le choix. Pas le choix, grosse. Boum. Allez, mettez-moi plein la gueule. Voilà. Magie soin, écoute. Je peux pas faire autrement, ma grosse. Voilà, tout doit disparaître. Magie soin, je dirais. Ah merde, c'est moi qui attaque. Allez, yes, en un coup. Magie soin, histoire qu'on passe de bon pied dans un autre combat. Saloperie, il a eu le temps d'attaquer, tiens. Voilà, essayez d'attaquer après ça. J'ai trouvé, yes, je vais me faire attaquer, ouais. C'était sûr ça, ils avaient pas mis ça en paix non plus, on est dans quel monde là s'ils me laissent en paix. Eh merde, un putain, un. Allez meurs toi, tu meurs en deux coups, je le sais. Voilà. Attaque sur la plantasse qui se cache au background, qui croit que je l'ai pas vu. J'aime bien le décor là. Voilà, merci bien. Toi, tu gères. Tu gères, oui. J'ai fait un mélange entre tu gicles et tu gères. Un mélange plutôt favorable, j'ai envie de dire. Qui a fait son effet. Là, toi, tu dégages, j'ai même pas le temps pour toi. Voilà. Pas que ça foutre. Voilà, allez, allez, allez. Yes. On est rentré. Alors. Oh, les ruines de Sarudnak. Bien sûr. Ah, un coffre de Sarudnak. Qu'est-ce que c'est que ça? Une avancée majeure. Section de... Oh! Dommage qu'on ne puisse pas jouer à deux. Pourquoi je prendrais elle? Je vais la prendre, mais pour le fun, mais je... Putain, j'ai pas envie. Ouais, c'est un gros troll, ça. Pourquoi j'ai fait ça? Oh non, 103! Ah, d'accord! Bah, sélection de personnages, y'a pas que ça qui a été ajouté, hein. On dirait, j'ai l'impression de jouer à Baldur's Gate Dark Alliance. Pour ceux qui ont connu ce magnifique jeu. Excellent jeu. Les premiers jeux que j'ai joué d'ailleurs. Mon premier jeu j'ai eu avec la PS2 je crois. Pour ceux qui voient, bah il était épique ce jeu. On pouvait jouer en coop mais c'était énorme à deux quoi. Baldur's Gate Dark Alliance. Après il y a eu le 2. Je sais pas s'il était bien, j'ai jamais joué pour tout dire, il doit être bien. Qu'est-ce qu'il était chaud le... Ah oui bah forcément il était 40 000 quoi. Vous me remettez en vie, j'arrête ce... Ouais c'est bon, je préfère qu'on me trollait pas comme ça. Pourquoi j'ai pris elle quoi, elle a aucun charisme. L'autre non plus remarque. On va pas se mentir, 3 secondes. Pour 3 secondes gardons notre sincérité. En tout cas on trouve un peu plus d'argent et ça c'est pas mal. Pas mal, si j'arrive à finir une phrase sans avoir le ok. Coffret, coffret. Combo, oh biatch. Ah oui, oh oui. Là je dis oui. Je dis oui. Oui, 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 ouais, 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 ouais. Ils sont sacrément nuls du coup. Oh! Dun, 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 dun. Rien à voir. Collier de l'aigle. Ok, je commence à trouver du stuff et tout, ça rigole pas ce jeu. Barre de vie. Ah, Diablo. On dirait vraiment la barre de vie de Diablo pour le coup. Salut, saloperie. Je ne t'ai jamais aimé, ça te dit? Ça te dit quelque chose que je t'ai jamais. Bientôt, alors la barre de mana et ça m'inquiète. Elle varie sur l'endroit où vous vous trouvez. Ah, c'est magnifique. Tiens, il continue de trouver des trucs à ajouter. Bon, en même temps, il y en a beaucoup là. Il leur en reste pas mal. Dun, 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 dun. Bonjour, bonjour, bonjour. Bichour. Bichour, je suis le ramasseur de coffres, le voleur. Le folleur, le folleur. Il a folé le folleur. C'était un mélange de d'accent allemand. D'accent maghrébin. Bonjour. Vous êtes fort, mais pas assez. Avec mes attaques de zone du shit absolu. Aïe. Allez, je vous ai glitché. Ça c'est des squelettes mais plus évolués en gros. Ça c'est des mages mais plus évolués, plus chiants qui m'empêchent de voir ma barre de vie avec la sauvegarde, c'est cool. C'est quoi ça? Bracelet de Keshar. Ça sert vraiment à quelque chose ces saloperies ou pas là? Faut que je regarde mon inventaire. Je vois pas ma vie. En tout cas elle est très basse. Ah oui. Ah d'accord. C'est vraiment Diablo 3. Diablo. Je voulais dire c'est vraiment Diablo quoi? J'ai dit c'est vraiment Diablo 3. D'accord. Allez comprendre. Plus 10 aux attaques sournoises d'esquive, plus 2 ils sont sérieux. Pourtant que ce jeu va durer des millénaires. Hein.
comme c'est parti, c'est bien. 10 euros quand même, faut pas se foutre de la gueule du monde. Die, motherfucker. Alors là, c'est le pont de la destinée, quoi. Vous ne passerez pas. J'ai plus de vie, mais je vais au boss. J'ai envie de dire. Je vais être le pont du boss. Carnage, des compliments bien mérités pour chaque petite tuerie. Diablo 3. C'est quoi cette espèce d'ennemi à la con? Ils sont sacrément nuls. Multi-kill, ouais, d'accord. Il y a d'autres trucs ajoutés quand même dans un jeu. Ceinture légendaire, s'il la met, ça me va, ouais. Je me mets tout seul, mais. C'est précalculé le loot, vous pensez? Il y a moyen, hein. Franchement. Il y a moyen, ça m'étonnerait qu'ils aient fait un système de loot. Ce serait étonnant en tout cas. Ce serait bien, mais étonnant. On va pas se mentir. La boisson en fait, elle est totalement cheatée, non? C'est pas possible. C'est moins easy, quoi, c'est. Bon, je vais crever par contre là. Ce sera moins easy direct. L'autre, il doit avoir plus de vie, j'imagine. Ce serait le plus logique. On va être blindé de thunes, bitches! Bitches. Ok, alors là c'est un mur bizarre. Bonjour les buissons que je peux pas briser. Briser des buissons, oui, vous ne connaissiez pas, tiens, dis donc. Étrange. Ça me paraît assez courant. Oula. Je suis moins en confiance avec ma vie. Ah yeah. Ouais, non, mais là c'est chaud là. La vie, la vie, la vie. La vie, elle était juste là, à portée de main. Oh non, pas au début. Ah non, ça va, c'est vrai, il y a une save. À toute ma vie en plus, ça c'est très généreux ça. J'ai l'impression de jouer à un jeu, vous savez, pour mobile. C'est un peu comme ça, vous voyez. Il y a plein de jeux comme ça qui ressemblent à des jeux mobiles. Bon, tout ça pour l'anecdote, hein, si je puis dire. Si moi juste manger un truc. J'espère que vous entendez pas des bruits dégueulasses. Boum. Ah, mais crève toi, hein. Tu as pas commencé, non? Je sais qu'il faut aller vers la droite, donc autant y aller direct. Est-ce que les ennemis vont me traquer? C'est la question. Parce que j'en ai vu là-bas, à gauche. Ouais, il me traque, ouais. Ah non, il m'avait oublié, mais il est revenu me traquer. Meurs. Oh là, t'as de la thune, toi, dis donc. Tu transportais la thune de tous tes brothers ou quoi? Hello. Je suis plus apte au combat, bande de biatch. Tan tan tan. Combat de Matrix, quoi. Ils sont 150 000, les mecs. C'est chaud là. Au moins, y'a pas beaucoup de vie par terre. Multi-kill. Ça y a des PV de partout. Ultra kill, dis donc. Ça me donne des récompenses un peu cette saloperie. Non! Je ne ferai pas tuer par le dernier mage sur terre. Oh, saloperie, il a failli me tuer. Comment je fais là? Inventaire peut-être? Cours, cours, cours. Est-ce que tu continues de courir quand je prends inventaire? Non, tu t'arrêtes. Mais eux aussi ils s'arrêtent apparemment. Ouais, ils s'arrêtent sur place. Ils sont bien généreux. Je peux pas prendre une potion vite fait? Non? Putain, je suis dans la merde. Ça, s'ils viennent. Ouais, mais il y a ce mage à la con là. C'est lui qui me cause des soucis, Dylan. Aïe! Crève, vengeance du démon. Donne-moi de la vie vite fait. Bon, c'est bon là, il y a encore des contenders. Encore des opposants là, des opposants à mon régime de dictature. Dictature qui dit que je suis le maître et vous fermez vos bouches. Je vais rush là, c'est pas possible. C'est une calamité là. Amenez-moi ça, tous ces ennemis là. Ah non, mais là vraiment, faut que je prenne quelque chose à manger pour voilà, hein, pour digérer le truc. By God, amateur de blagues pourries depuis 1812, je crois. Oh putain. Oh putain. What the troll? Oh, je me battrai. Mais il n'y a aucune chance là. Ramasse, ramasse. Je m'en suis sorti, quoi. Légendaire, ouais, tu m'étonnes, ouais. C'était légendaire, tu peux le dire. T'as raison de le dire. Billy Joe. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Alors, si je peux organiser mon inventaire un peu. Non, je ne peux pas, je vais me faire voir, c'est ça? Très bien. J'avais exactement envie d'aller me faire voir, tiens. Attends, j'ai un truc sur la courge. J'ai pas un casque à énergie solaire, effet vision nocturne. Ok, je suis heureux. J'ai la vision nocturne, écoutez. Ça va être à manger.
Ah, les voilà, eux. Les Cazadors. Comme ils s'appelaient dans Fallout. New Vegas. Bon, les sensuels vont se faire voir vite fait, quand même. On se faire voir chez les Gréco-Romains. Allez, sans une mes balls. Bonjour. Ah, un coffre important peut-être. Non, de la merde, pourquoi pas. Ça marche aussi. Ah, c'est vraiment de la merde quoi, c'est ouais, c'est vraiment pas de blague, c'est de la merde. Juste. Purement et simplement. Encore mais. Ouais, vous faire voir quoi. On va dire, mais laissez-moi manger en paix, quoi. Il y a un moment, stop. Oh putain. Je mange, ça se voit pas que je mange. Merci pour l'esprit de l'aventure, mais putain, ça rachète pas vos actions, quoi. Oh putain. 200 ennemis, quoi. J'ai tué plus d'ennemis maintenant que dans tout le jeu. 5 slash le bordel. Je crois que c'est fait exprès, mais bon. Allez, ramasse. Ramasse. Par contre l'animation, ils ont pas osé mettre évolution de l'animation. Ça demandait trop de travail sûrement. Ils ont pu mettre une animation à la warframe là, un truc de balade, oui, pour dire malade. De malade psychopathe. Où il y a 150 000 mouvements, t'sais. Bonjour, bonjour, bonjour. Ici ça ne servait à rien donc. Ah, un coffret. Coffret cafli caflou. Coffret. Ah, merci. Prenez la prochaine à gauche. Ok. Pourquoi tu me mets en carte? Je suis la carte, carte, carte. Quoi, j'ai un Dora? Je m'appelle la carte? Non, je ne sais pas. Je suis pas un adepte de Dora, excusez-moi. Excusez-moi, je l'avoue, je confesse à ma honte. Mourez tous et partez en paix. Je vous adoube en même temps que je vous tue et grâce à ma baguette. Alors quoi, étoile. Trouver toutes les étoiles des volantes. J'aime bien parce que sa vidéo elle va durer 3h30. Ça va être facile à upload, j'aime bien. Franchement ça me plaît. Ça me plaît de passer 3 nuits et 2 jours pour uploader un truc. J'aime bien. Pas un petit peu plus d'ennemis là, parce qu'il y en avait pas beaucoup je trouve. Non, il n'y a plus un. Déjà. L'enfer n'a donc plus de ressources. Dis donc. Je reviens en arrière là, clairement j'allais dire. Putain, mon français ne s'améliore pas. Là, je reviens en arrière, donc j'ai retourné là-bas avec la carte magique. Enfin une carte, mon de dieu quoi. Si vous pouvez juste dire où est ce putain de boss. Je dirais pas jusqu'à dire que ça m'arrangerait, mais ça m'arrangerait quoi. On va voir si on a loupé quelque chose comme ça. Pourquoi mon inventaire pète un câble comme ça? Voilà. Ok, alors là-bas que dalle. Là-bas aussi hein, que dalle hein, je crois. Bah dis donc. Peut-être l'amulette en bas. Et à moi. Nom de dieu quoi, mais. Vengeance du démon quoi. J'ai peut-être loupé une pièce là en bas. Non? Non, j'y suis allé en bas là, si. Non, si, non, si. Me répondez pas surtout, hein, je vais me faire voir. Bon bah je sais pas, on va voir. Putain, j'y suis allé. Il y a encore des sensus, donc bon, pour savoir le truc. Compliqué quoi de deviner. En tout cas, je suis en train de faire mon loot quoi, mon stuff. C'est bien plus, c'est pas plus mal hein, j'ai envie de dire, mais bon. Ah, je suis jamais venu ici. Yes, I never came here, motherfucker. J'allais partir en beatbox, mais bon, je veux pas éclater vos tympans avec des basses trop grosses. Oula, ça gicle. Bon, par contre, ils ont pas mis le sang, ils ont pas osé non plus. Oh, le boss. Et le bosso, il me dit vraiment où il est en fait. Le boss, le bosson de Higgs. Vous mourrez tous. Là, un petit coup de canne, il chiale quoi. Le gong. Non, dommage. C'est bloqué, mais j'imagine que je pourrais passer une fois que j'aurai fini avec ce boss à la con. Oula, ça va être plus chaud là si c'est un hack and slash. Hein. Si c'est en style hack and slash, ça va être plus compliqué. Plus complexe. Vous n'aurez peut-être pas dû ouvrir. Le maître m'a ordonné de vous arrêter. Il contrôlera bientôt le monde et je serai le chef de ses armées. Ou bien est-ce que c'était détruire le monde? Bref, faut partout à mourir. Ouais, c'est vraiment Diablo 3 là. Là c'est
Oh là, mais oui, c'est Diablo 3, mais ça fait mal. Non. Non. Non, mais je suis pas de dièse, hein. Faut arrêter avec cette rumeur. Donnez de la vie. Donnez-moi de la putain de vie. Quoi, je vais te bourriner, toi, ça va être plus rapide. Putain. J'ai pas de vie. Non. I need some V. I need some assistance. Tu vas vraiment me suivre dans tout le niveau, toi? Ah ouais. Bah vas-y, viens. Écoute. Lâche un peu des ennemis. Et il me suit. J'ai juste aucune chance, là. Bah oui. Ils trouvent ça drôle, eux, avec leur jeu, là. Hein. Leur jeu vidéo, là. Ils trouvent ça drôle. Alors là, je suis full life. Mais what the fuck, quoi, pour le niquer. Déjà, c'est-à-dire, ils te taxent ta vie, quoi. Toujours plus, un petit peu plus avec eux, donc je m'en méfie. Putain, mais c'est putain de mage. Vous avez tué sans squelette, bah j'espère bien, oui. Faut juste voir ma vie. Ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, tiens, dis donc. Quelle surprise. La surprise est au rendez-vous. En fait, il faut arriver stuff comme un porc, quoi, ça lire. Bah, je suis stuff comme un porc, ça tombe bien. J'ai 15 000 d'oseille, hein, presque. Ouais. Plus que 10 et j'ai 15 000 d'oseille. L'oseille, les lovés, la thune, l'argent. Les pénis. C'est bizarre, hein, comment tu parles, tu devrais voir quelqu'un pour ça. Faut juste que les filles sont putain d'attaque bleue et on est bon. Bon là après c'est juste du bourrinage os. Ça par contre c'est vraiment une attaque qui fait très mal les boules bleues. Non pas celle-là, elle fait trop mal. Non pas deux fois. Ça va être tendu. Il va la refaire. Oula. C'est Nervado là. Vous savez très bien que c'est bien quand il y a beaucoup d'ennemis parce qu'il y a beaucoup de vie. J'ai envie de dire quand, tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir donc. Why not? T'y passeras ou j'y passerai, écoute. C'est entre toi et moi le destin de l'humanité. J'ai vu de l'argent là avec mon œil de lynx. Pour l'argent là, il y a toujours un œil. Hein. Deuxième passage, non? Tu es défait! Accepte-le, voilà. Quelque chose s'est ouvert quelque part. Ah bon? C'est la dernière fois, promis. J'avoue. En tout cas, c'est pas la première. Eh bien, ce jeu, ça aurait été un bon jeu pour un live. Hein. Ça, putain, ça m'aurait fait un live, un de mes lives qui dure 5h30, quoi. Allègrement. Si je puis dire. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh! Surprise générale, y'a pas un TP là? Pas un TP? Ah! La magie au service de l'homme. On va retourner voir l'autre. Non, 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 j'avais manqué cette musique. Non, je décode, j'avais pas du tout manqué. Elle est bonne, hein, elle est bonne, elle fait musique d'ambiance quoi. C'est-à-dire, bon, au bout d'un moment, on la connaît un peu, quoi. Enfin, bon, c'est pas pour être méchant, mais... C'est moi tout ça. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Hello there, bitch. Bonne chance, merci. J'ai pas vu ce que tu m'as dit. Rentrez dans la citadelle des ombres. Elle se trouve à l'est d'Aogai, juste près de après la rivière. Bonne chance. À l'est, l'ouest, l'horizontale, la verticale, coordonnées XBZ. Non. Bon, écoutez, on va déjà aller voir la marchande, là, l'escroc. L'escroc, comme on l'appelait au village. Les sorcières. The trader. Bonjour. Bonjour, bitch. Vends-moi tout ce que t'as vite. Vendre.
J'ai rien à vendre. Lecteur de DVD, qu'est-ce que c'est? Je veux juste voir ce que c'est. Carte rare, je m'en fous complètement au final. Lecteur de DVD. Au revoir, tant de chargeurs. Oh, merci. Ah, ça fait plaisir, ça. Carte rare. Comment vous dire d'aller vous faire foutre? Poliment. Queue de phénix, je sais toujours pas ce que c'est. Je préfère le dire direct. Bon, écoutez, on va aller à l'est. Oh, j'aime bien la partie de la musique, ça fait les voix comme ça. Enfin, les cœurs. Ça, j'aime bien ça, les cœurs. Ok, la musique qui change direct. À l'est. C'est par là-bas. Pourquoi est-ce que je suis con? Attendez, je vais juste voir. Est-ce que je peux passer par la droite ou pas? J'ai fait 2 mètres là. On verra bien si je peux passer par la droite. Toi, t'es mort. Oh non, 5. Sérieuse? T'es l'onde de la famille, quoi. Ça c'est réglé, lui on n'en parle plus. Je peux pas. Allez, allez, allez. Non! Oh non, une tortue! Gros rageur. Non, non, je peux pas encore me faire piéger. C'est quoi ce délire quoi? Je fais une fois flèche du haut et ça me met au dernier rang quoi. C'est vraiment un troll. Ah non, pas le premier, lol. Gros troll. Oh là, il a résisté lui. Pas lui. Quel bateau, tu vas pas résister, saloperie de tortue. Ah si, t'as résisté. Bah écoute, t'es bien, tu es vaillant, tu résistes à ça. Ouais. Parce que je pensais, tu es faible. Allez, une attaque normale pour foutre la honte. Voilà. Parce qu'on aime bien foutre la honte aux gens dans. Dans ce jeu, sur cette chaîne, dans. Partout où on va. Nan, nan. Nan, nan. Nan, nan, nan. Nan, nan, nan. Elle me rend dans la tête. Ma tête va exploser au bout d'un moment. Hein. Ça, c'est une session peu banale. Nan, nan. Allez. Allez, allez. Bamonos. Ah, oh, va te faire foutre. Ah, ça y est, on a que 2. Yes, bénédiction. Ah, 3 et 7, la blague. Non. Je vais pas me faire troll encore une fois. Ah, voilà, toi, t'es morte déjà. T'as attaqué qu'une fois, ma petite. Toi, t'es mort. Adieu. Voilà, adieu. Niveau 9. On va continuer par là. Ah, fuck. Ils ont abusé là-dessus, quoi. C'est vraiment Pokémon, le bordel. Non. Maintenant, je commence à y penser, tiens. Tout doit disparaître. Surtout les têtes. Les têtes de plantes carnivores, par exemple. Eh putain, bon il y en avait besoin. Je te pardonne pour cette fois. J'aurais dû t'appeler Elisabeth en fait. Elisabeth. The second. Go. On va se faire attaquer une ou deux fois avant d'arriver. Ouais, 2. En comptant celle-là. Ou non, peut-être 2 même après. Oh, t'es toute seule. À Twin. Oula. Je suis parti dans les aigus là. À Twin, à Twin. Ah, bon, ça va devenir barge avec ce jeu. Ah, juste devant. Ah non. Alors, bonjour. Hello. Ah, c'est toi le grand Manitou? Heisenberg? Pirach, c'est toi la créature qui a ravagé mon village. En même temps, vous habitez à côté. Oh, l'Imo. C'est encore un Imo. Mon nom est Zephyros. Vous êtes venu de loin pour me trouver. Et moi j'ai une lune derrière moi. Mais tous vos efforts seront vains. Vous n'êtes pas assez fort pour m'affronter et je vais vous le prouver. Oula, j'aimerais bien voir. Oh merde, il va nous fracasser en 4. Il va nous casser en 2 là, non? Oula, oui. Un petit cristal dans ta bouche quand même. Ah ouais, ça se fait mal ça. Je sais pas. Ouh, 21. Tu prends cher là, non, mon petit? Hein, que tu prends cher, dis donc. Eh merde, il a attaqué 2 fois. Ok. Peut-être se soigner un peu là. Voilà, ce sera pas mal. Il a toujours pas attaqué la fille, hein, ça. Il est généreux, il est gentleman. Gentleman. Mantle gen. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, c'est bon.
soin. En fait, ça a duré longtemps comme ça, vu que je me soigne et lui m'attaque, mais il m'enlève. Oh merde! Elle a compris. Bah tiens, dans ta bouche. Je sais pas combien il a de vie, c'est ça qui est cool dans ce jeu, on sait pas combien ils ont de vie les ennemis. Et soigne-moi tout ça. Voilà, il attaque l'homme un peu. L'homme qui est vulnérable. Aïe, pas la fille invulnérable s'il te plaît. Ça gicle. Ça gicle. Je peux voir ta vie s'il te plaît? Voir tes papiers d'identité s'il te plaît. Ah, je suis assez fort alors gros con. Assez, ok, là il va se transformer en méchant. Non. Oh non. Sérieusement. J'ai du temps là, non? Eh merde, oh, fallait pas le rater celui-là. Non. 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 Oh, elle est morte. C'est toi et moi, on dirait Billy Joe. Oh. Là, je suis bien content d'avoir une potion. Sinon, je chiale. Oh putain, je suis foutu là. Y'a aucune chance là. Bah ouais, je suis obligé de perdre là, non? Ok, j'ai gâché une potion pour Chi quoi. Nous n'abandonnons pas! Nous combattrons jusqu'à la mort! J'ai fait les doublages du jeu, soit. Soit, point. C'est un vrai. Oh Super Saiyan mode, énerve-toi. Il l'a tué, énerve-toi! Non, il s'énerve pas le bitch. Ah, ah si, voilà, je me disais bien. Biatch! Biatch! Merci. Trois petits points. Pourquoi elle est morte en un smiley, vous savez, les deux chapeaux. les deux chapeaux chinois. Pour parler comme un enfant de primaire. Tu as toujours été là pour moi, pour me protéger, pour combattre à mes côtés. Promets-moi de ne pas m'abandonner. Il faut sauver le village et le monde. Je serai avec toi. Je. Trois petits points. Disparaît. Comme dans quoi déjà? Dans quoi qu'ils disparaissent comme ça? Ah, je suis énervé. Tu m'as énervé. Fils du dragon. Ok. Ils sont partis trop loin. Babamut! Babamut! C'est un cri? Ah non. Ah non, c'est. Oh putain, ma souris tombe. Ah, c'est vrai, ok, c'est un dragon. Avec une corde autour de. Ok, de la taille. C'est super compliqué pour lui là. 756? Tu crois m'avoir battu? Je vais retourner à l'âme de Mana et quand mes blessures seront guéries, j'en finirai avec ce monde. Ouais, bah, va garder tes blessures. 2000 glisses, 50 XP. Ok, c'est normal, tu vois. Peut-être que j'ai annoncé à l'autre que sa fille elle est morte, non? Non? On s'en fout? J'avoue, au pire, c'est que sa fille, hein. Écoute. On va quand même aller lui dire qu'elle est morte. Histoire de lui faire plaisir, mais bon. Aïe, je peux attaquer peut-être? Crevez, bande de saloperies. Attendez, est-ce que j'ai mon. Ah non. Ça aurait été marrant. Babamut. Comme on dit. Voilà. Oui, oui, oui. Oh là, j'ai fait une grande distance là sans me faire attaquer, hein, dis donc. Ah, encore les mêmes. La Team Rocket. Ils vont s'envoler vers d'autres cieux vite fait. Tout ce que je fais là, c'est appuyer sur la barre espace. La touche entrée. Pour attaquer. Oula, non! Non, non, qui est con celui-là. Soin. Dans un moment, il faut arrêter de rigoler, hein. Voilà, et là, on peut recommencer. À spammer la touche. Bitch. Oui, merci bien. Ah, putain! Lui, il va m'attaquer déjà, il va m'enlever. Je sais pas combien de PV. Ouais, 7. Ça, l'autre, il m'attaque pas. Allez, bitch. Fallait pas me rater. Moi, je te rate pas. Vous verrez dans la position dans laquelle je joue, là, c'est honteux. J'ai un bras qui part là, juste un bras sur le cri. Enfin bon. Je demande beaucoup de concentration, comme vous pouvez le voir.
Voilà, boum. Dégage. C'en est fini de toi. La 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 la. Ta fille est morte. Je vais pas me soigner tant que tu y es, saloperie. Merci. Ils ont quand même fait un dialogue. Oh oui, sauvegarder. Ah mais je me soigne gratuitement, je suis quand même assez payant. Récupérer du mana pour venger Biatch. Mais forcément on est moins joyeux là. Musique d'enterrement, forcément. Il va y en avoir un. La musique est bien là aussi. Très bien même. Excellente. Bonjour, pas sûr. Biatch n'est plus de ce monde, mais je sens malgré tout sa présence. Elle est partout autour de nous, ressens-la. Je sais qu'elle est avec Eisenbeer. Son pouvoir restera avec lui pour toujours. Villageoise, la meuf qui sort n'importe où. Je n'arrive pas à croire que Biatch est morte. C'est une tragédie pour tout, à Ogai. Elle n'est pas morte en vain, elle a donné ses pouvoirs à Eisenbeer pour qu'il puisse sauver le monde. Tu comprends, Eisenbeer? Tu es notre seul espoir de vaincre Sephiroth. Ok, la vieille peau qui se ramène. Je donne tout gratuitement. Tu seras bientôt assez fort, je crois en toi. Allez, vous croyez tous en moi, on est content. Ils croient tous en toi. Oh, je l'ai dit avant. Viens me voir quand tu auras un peu de temps, je peux peut-être t'aider. On va tous périr. Ah, enfin réaliste. Une gifle. On croit presque tous en toi, c'est déjà pas mal, non? Ça suffit, Biatch, il n'est pas mort en vain. Eisenbeer, tu dois sauver l'arbre de mana et vaincre Sephiroth une fois pour toutes. Je vais te donner mon vaisseau volant. Oh là, j'aime bien. C'est le seul moyen d'atteindre l'arbre de mana. Le destin du monde est entre tes mains, Eisenbeer. Vaisseau volant, bienvenue sur Erevoland. Non, toi, tu voulais rien me donner, c'est vrai, t'es une saloperie. Et alors, tu me donnes ton putain de vaisseau à la mort, moins l'œil. Tu dois l'arbre de mana et vaincre Sephiroth. Tu trouves l'arbre de mana au nord de la citadelle des ombres. N'oublie pas que tu auras besoin d'un vaisseau volant pour l'atteindre. Bah c'est tombé, tu me l'as donné. Nom de Dieu, ce jeu est long. Hein. Attends, moi j'ai l'impression d'être dessus depuis 5 heures, alors que j'ai dessus depuis... Quoi, 3 heures, 2 heures, 2 heures et demie, je ne sais pas, 2 heures et demie peut-être. Musique d'enterrement. Boum. Le roi des morts. Ok. Petite potion pour ma bouche. Au revoir, Biatch. Ah merde, c'est qui voulait me donner un truc? Ah merde, il était là-bas, putain. Ah non, c'est peut-être toi. Ah merde. Ah, on peut jouer. Pff. Non, elle va te faire foutre. Je vais juste aller voir l'autre, il a dit qu'il pouvait faire un truc pour moi, non? En face, là. M'en fous, moi, du haut Double Twin, sérieux. Dans tous les jeux, ça m'a jamais vraiment intéressé, moi, les mini-jeux de... Comme ça, de cartes et tout. Étoile, carte, marchand, chocobo. Tu connais les chocobos? Oui, c'est bon. Ah. Il dit que de la merde, lui, hein, au revoir. Carte. Tu aimes le double... Oh, fuck you. Ok, dégage. Sortie. Étoile, peut-être. Ok, mais ça, les plus grands peuvent... Tu as trouvé deux étoiles sur un tout... Oh, pff. Ouais, ok, bon, je les trouverai jamais toutes, quoi. Tant qu'à faire, à la biatch. Allez, on y croit. Elle est morte. Biatch est morte. Je suis vraiment parti en balls dans cette suite. Oh. Putain! J'en ai marre de ça. Ouais, sérieusement marre. Oui, bah attaquez-moi tous, bah allez! Babanut, allez, boum! Pas se faire chier non plus, on peut avoir Babanut, et ben on l'a. Voilà, ça dégage. Voilà! Oui, oui, oui. Niveau 10, tiens. Ok, il est au nord de la citadelle, non? Nord-est de la citadelle. Je croyais moi que j'avais un vaisseau, mais bon, je vais me faire voir apparemment. Ah, en moins. À qui le tour? Qui est le prochain?
Moi je sais qui est le prochain, c'est toi. Grand-père tortue. Tu m'auras bien fait chier, toi, hein, dis donc. Nanana. Allez, tu dégages, voilà. Nanana, nanana. Allez tous vous faire voir. Et j'espère qu'il fallait pas prendre le pont pour aller à droite parce que là, my ass quoi. J'ai plus de vie. Tu partiras avant moi. Aucun problème avec ça, tu partiras avant moi, voilà. Dégage. Il fallait prendre le pont. Mais comment on fait, nom de Dieu? Putain, on nous dit rien dans ce jeu. Oh là là, aïe. C'est-à-dire s'il n'y avait pas ces combats toutes les 30 secondes. Putain, c'est ça qui est chiant avec les jeux comme ça, c'est que t'as pas le droit de te tromper de chemin, quoi. C'est le seul défaut, quoi, du jeu. Mais en même temps, c'est pas vraiment le défaut du jeu. Pour moi, c'est le défaut de beaucoup de jeux. Non, surtout celui-là. Non, pas les autres. C'est-à-dire, les autres, on a beaucoup plus de choix dans les attaques et tout, donc ça dérange moins, mais là, c'est toujours la même chose, quoi. Ça t'achève, quoi. Ça prend la courge. Ok, alors, attends. Et je suis jamais allé, là, non, tout au sud du truc. Parce qu'ils me disent au nord, là, mais bon. On les connaît, hein, avec leurs mensonges. Ouais, on va essayer d'aller au nord, hein. Je comprends rien, de toute manière, on me dit des trucs, je comprends rien du tout, t'sais. Allez, veuillez crever. Oh, putain, fantastique. Énorme. Au moins, ce sera moins long. Allez vous faire fou, toujours les mêmes, la team roquette de mes couilles. Ah nom de Dieu. Vous avez... Oh 19. En tout cas très bon jeu, hein. C'est sûr, il n'y a rien à dire encore une fois. Ok, niveau 10. Non. Et avance. Putain de troll. ouais, y a rien à dire, le jeu est bon. Franchement, j'aime bien l'évolution des graphismes et tout. Après, je l'ai toujours pas fini, donc... On va prendre le vaisseau volant, on va voir ce que ça donne. J'espère avoir une phase de gameplay, ce serait bien. Mais vous êtes 50, quoi. Sincèrement, ils sont 50. Là, je m'en mets 36, mais voilà, ils partent, les 36, parce qu'ils me font trop mal, ces gros connards. Mais putain, il est pas mort, lui. Regardez-moi ça, il me déglingue la gueule, quoi. Regardez. Et c'est un truc de dingue. Potion. Et c'est un truc de ouf, hein, il me casse la bouche, quoi. Putain, sans l'autre, je vois rien du tout, t'sais. Putain, oh, oh, on va se calmer, là, 3 secondes. Toi, tu dégages, déjà. Putain, mais la putain de plante dans le fond, là, si elle fait mal, elle. C'est je me rends dingue. Attaque, celle du fond, voilà. Elle va me manger, elle, un peu. Ok, mais putain, je me retrouve toujours avec 15 de vie, quoi. C'est un truc de dingue. Putain, il y a deux mecs qui me frappent, quoi. C'est un truc de ouf, comme ils me défoncent la gueule. Ils me cassent la gueule, quoi. Ils me la charclent. Allez, putain, j'aurais dû faire ça dès le début. Il fait trop mal, mais il a pas de vie, c'est vrai. Ça, je suis con. Non, mais c'est bloqué, là. Où est-ce que je vais, bordel de merde? En bas, c'est la forêt. À droite, c'est la castle de mes couilles où je peux rien faire. Là, y a pas de passage. Non, y'a que dalle. Et voilà, putain! Oh, les 4 encore. Oh, je vais me faire déglinguer dès le début. Allez, qu'on en finisse, quoi. Oh, putain. Toi déjà c'est fini. Le plus grand. Oh putain. Allez vous faire voir, quoi. Je sais pas où il faut aller. C'est un truc de dingue. Je vais retourner voir. Je vais demander à ces connards à la con là. Putain. Heureusement déjà que j'ai acheté le DVD pour plus avoir les temps de chargement, quoi. Parce que ce gros troll sérieux que ça aurait été à force. Je
Putain, on pourrait pas avoir des objectifs, ils ont pas ajouté ça quoi. Les objectifs dans les jeux vidéo, c'est peut-être apparu au bout d'un moment. Hein. Genre les marqueurs de quête ou je sais pas, ça aurait été pas mal quoi. Allez connard, qu'est-ce que t'as à me dire toi? Nier, marque-le-moi sur un papier. L'arbre de mana, trouve au nord de la citadelle des ombres. Comment je l'utilise? Comment? Je demande comme ça. Comment j'utilise ton putain de vaisseau, mec? Ok, bonne réponse. Pas de réponse, bonne réponse. Bon, bah, je vais aller en freestyle, hein. Nom de Dieu, je ne sais pas comment y aller. I don't know how to go. Fuck it. Bitch. Toujours ce gamin qui court en rond, là, après un papillon qui est assez con pour continuer de tourner en rond plutôt que s'envoler. Allez, ben on va aller là-bas. Ah, putain, ça fait mal. Ça fait mal de se faire attaquer tout le temps. Bon, on est censé avoir un putain de pouvoir, mais bon, je peux utiliser une fois, c'est cool. Et après, je peux plus, mais... Enfin, je veux dire, j'étais plus puissant que la fille, quoi. What the fuck, quoi. Là, j'ai qu'un perso, quoi, tout de suite, c'est pas la même sauce, quoi, j'ai envie de dire... Ouais, non, hein. J'allais dire, est-ce qu'on pouvait choisir de pas sauver la fille, mais en fait, on était obligé de la sauver, donc... Nye. Ok, encore attaqué par les mêmes. Connard et son fils. Connard and co. Connard and son, j'ai envie de dire. Allez, die. Please die. Putain, il s'est déjà pris deux coups sur la courche, il suffit pas, quoi. Il m'attaque et tiens, toi tu sers vraiment à rien, toi t'es nul. Oh, il a survécu, j'hallucine. Crève. Heureusement il a pas eu le temps de m'attaquer, ça aurait été trop là. Ouh là là. La Team Rocket. Ouh là là, alors là ça va être impossible. J'annonce direct la couleur, c'est impossible donc. Quand c'est impossible, ça va se régler direct, voilà, bah bagnole de mes couilles. Alors là, le temps qu'il vienne, il est temps de mourir sur ma chaise. Dragon Ball Z là. Ça dégage, je ne suis pas touché par le truc. J'ai débranché mon casque, tout le monde y trouve son compte. Je vais rebrancher mon casque, tout le monde sera heureux. Il n'y aura pas eu de soucis. Voilà. Donc, si vous êtes toujours avec moi, c'est que vous êtes des grands malades déjà. De une. Et de deux, vous êtes des héros. Comment je fais? Je demande, juste. Je me permets quand même. Comment on fait, bordel de merde? On me dit rien, quoi. Putain de merde. Mais, oh, putain, ça va me saouler, ça. Sérieusement, ça commence à me prendre le chou. Mais c'est une infection, ça. Hein. C'est... Tu fais rien, quoi, dans ces phases. Le truc, je vais m'endormir sur ma chaise, quoi. Je vais casser ma touche entrée aussi à force d'appuyer. Voilà. Descends, soupe à la tordue. Tu m'étonnes que j'ai eu un succès pour cette merde. Bon, je sais pas, les gars, je sais pas. Il y a encore ces connards, là, qui vont me buter parce que, voilà, j'ai plus mon pouvoir. Allez, butez-moi. Hein, tu sais quoi, butez-moi, juste. Et si j'attends, est-ce qu'il m'attaque? Juste emporter... elle avec moi. Voilà, allez, tuez-moi maintenant. Non, vous pouvez pas, vous êtes trop con. Bon, bah, soigne. Là, enlevez-moi tous mes PV, hein. Écoutez, arrête de vous dire, faites-vous plaisir. Hein. Voilà. Eux, c'est n'importe quoi comment ils font mal. Hein. Ils sont overcheatés, ces connards. Alors, ah bah, il est... Bordel de merde, il... Depuis le début, il était là? Depuis le début. Pourquoi est-ce que vous me l'avez pas dit juste? Parce que là, c'est insupportable quoi, ce que vous m'avez fait subir. Vous m'avez même pas dit qu'il était juste là. Putain. J'ai honte en plus, j'ai honte, mais bon. J'ai honte. Forcément, risque-moi de se faire attaquer par des connards, quoi. En plus, il y a une musique énorme.
Ah mais il est là l'arbre à la con là. Ok, il faut que je me pose. Je vais me poser juste à côté, t'inquiète pas, je vais pas marcher 30 mètres. Ah, quel connard. Je vais me faire attaquer, hein. Oh. Ah non, j'ai cru juste devant, quoi. Oh putain, j'aurais pu faire dès le début. Pourquoi je suis con? Hâte de te cacher, montre-toi. Je t'attendrai. Oula, c'est une phase en 3D, là, je vais manger ma race. Oh non. Oh non. Il y a longtemps, mon peuple a évité ces terres, mais il a été attaqué et chassé pour ses camps. Je suis le seul survivant et je vais me venger. Tu vas partager le sort de ton ami. L'arbre de mana sera ta tombe. Je comprends rien, Alex. Ah ! Voilà, biatch. Je suis censé lui faire du mal, là ? Là, je crois que je lui fais du mal. Je crois que je lui fais du mal en tapant sur ses mains. Plus ou moins. Voilà. Là j'aime, vous voyez, là on est acteur, on n'est pas spectateur. Il a trois yeux ce con. Enfin, 4 et 5 même. Non mais c'est pas des yeux hein, qu'il y a sur les mains et la poitrine, je suis pas non plus complètement con. Voilà, un au moins. Ok, je perds de la vie depuis tout à l'heure. C'est bon à savoir, hein, écoutez. Eh oui, putain, je perds de la vie. Nom de Dieu, j'avais pas compris ça. Ah non, je vais me retaper la cinématique à la con. Enfin, elle est bien, quoi, mais une fois, bon, on apprend sur l'histoire, mais après, pourquoi, quoi. Allez. Oui, elle est bien. Ta vie, elle est plutôt cool, mon grand. Voilà, biatch. En fait, il faut que je sois à l'extérieur pour me faire niquer. Voilà. Ah, il m'a niqué. Voilà, je l'ai niqué. J'ai failli le niquer. Ok, je me suis fait niquer clairement. Oh, il m'a mis la main sur la gueule. Ok, là il a pété un câble, lui. Il a vraiment cru que j'allais là-bas. Yes, 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 pète un câble encore. Yes. Et merde. J'aurai ta main. Que ton père le veuille ou non. Belle saloperie, toi. Hein. Crève, crève, crève. Yes. Plus de bras. Plus de bras. Oh, plus de chocolat. Mais c'est quoi ce délire? Allez, j'y crois. Non, je me réserve le droit d'y croire. Allez. Oh la saloperie. Oh la saloperie. Putain que c'est chaud là. Il est épique ce boss. Allez mais crève. Crève dans la cinématique quoi. Crève ta cinématique, je ne veux plus la voir cette cinématique. Merci bien. En fait, ça c'est la partie la plus chaude, quoi, limite. Qu'est-ce qu'il fait là? Il pète un câble. Voilà. Biatch. Oh, genre. Elle est épique la musique, hein. Franchement. Elle est énorme. Je pensais à la musique de Binding of Isaac qui est énorme. Enfin, je veux dire, ça me fait pas penser à la musique de Binding of Isaac, ça me fait penser à Binding of Isaac parce qu'il y a des musiques énormes aussi dedans. Et les jeux indés avec des musiques énormes, et ben directement, ça sent meilleur. Bon, je suis bien là. Je suis bien. J'étais bien avant de faire le con. C'est con hein, qu'il ait des mains, mais il sache pas s'en servir pour rafler une zone. Voilà. J'ai eu ces putains de bras. Ah! Ah! Non, j'aurais pas le temps.
Pourquoi il a un signe Pepsi dans le ventre? Ah! Ah, ah. Ah oui, ok, il y a son signe Pepsi qui est parti là, quoi, lol, what the fuck. Ah, fuck. Non, tu vas pas venir jusque là, quand même. Tu vas pas oser. Oh, le gros troll. Là, je suis juste devant toi. Là, ben, son truc qui est parti. Si je le tape, non, je peux pas. Je veux dire, je sais pas pourquoi il part. Bah, là, ça va être trop chaud, là. Pars pas vers là, s'il te plaît. Faut être prudent, là, parce qu'il va me choper un cœur. Oh! Il va me choper un cœur de vis. Go, go, cours, Forest, cours. Allez, je suis trop concentré, là, c'est pour ça que je parle pas. Ah! Allez, allez, allez. Allez, biatch! En fait, il faut toucher ce truc. Oh! Oh putain! Ouais, ça va être impossible là. Ouais, j'aurais dû partir dans l'autre sens. Petit dans l'autre sens! Je sais pas, c'est épique en tout cas. Oh! Oh putain, ça m'a coûté cher. Pas tant que ça en fait. Ça m'a coûté quand même. Ouh là là. La musique elle est énorme. Non! Oh saloperie quoi! Ouais non, putain, fait chier, faut avoir un timing de dingue! Allez, 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 allez! Non! J'aurai ta tête! Belzébuth! Non! Belzébuth! Putain, mais il le fait jusqu'à quand? Non, il est parti de l'autre côté, bien sûr. Non, j'ai crevé là, j'arrive pas, hein. Je comprends pas là, ce qu'il faut faire. Enfin, j'ai à peu près compris, mais bon. C'est quoi ce boss? Il ressemble à Chi. Et j'aurais pas le temps. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Est-ce qu'il faut vraiment que je touche ce truc derrière? Oh là là, mais il va jusqu'à où? Allez, allez, allez. Yeah! Non! Putain! Genre, je vais crever quoi, je vais y passer hein. Oh putain, deux fois! Nom de Dieu! Allez, mais putain, il le fait 40 000 ans! Je deviens barge avec ce jeu. Faut que je me calme. Hein. Ah, mais c'est un truc de barge là, je comprends pas là. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce putain de monde cruel qui veut. Déjà, je viens d'apprendre que je pouvais faire avec espace tout le jeu. Moi, je faisais avec la touche entrée qui est juste à côté des flèches, donc c'est bien chiant à jouer avec. Je suis vraiment trop con de pas avoir vu ça. Incroyable. Forcément, ça risque d'être mieux déjà niveau gameplay. Allez, fais ton attaque à la con, toi. Fais-toi plaisir. Non, putain, le fail que j'ai fait. Déjà, faudrait pas se faire toucher là. Ce serait déjà une grande victoire. Si on se fait pas toucher là, c'est la moitié du combat qui est gagné. Ah, la musique. Putain, la musique à chaque fois, elle me fait oublier que je suis énervé, quoi. Oh là là. Quelle musique. Mais quelle musique. J'adore les musiques dans les jeux vidéo. J'adore les musiques. Me faire bouffer. Non. Bon là il est particulièrement con là, ce rune. Oh tu crèves. Enfin tes mains crèvent plutôt. Aïe. Tes mains. Ah. Voilà. Ah la biatch. Calme-toi, 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 calme-toi. Ah ok, si c'est pour taper sur le bord, tape pas. Hein. Ok, alors il faut que je comprenne.
Tant qu'il y a la musique épique, en fait, je joue bien dès qu'elle y est plus. Oh putain, il vient loin, quoi. Ouais, je t'ai touché 3 fois, bitch. Ouais, ça change rien, en fait. Je touche une fois et je me casse, quoi, c'est pareil. Eh, genre, c'est simple. Bah, je pouvais pas l'éviter, quoi. Oh putain, de l'autre côté, le troll. Oh, le troll. C'est moche, hein, ce truc. N'empêche, là, qu'il faut toucher, je viens d'en... Oh! Oh! Ouais, fuck! Putain de merde! Ah, je vais encore me faire bouffer! Non! Putain, je me fais tout niquer ma vie! Allez, saloperie! 2 fois, je crois, en plus! Oula, 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 t'énerve pas, t'énerve pas! Moi! Je sais pas combien de têtes vite, en plus, on sait jamais. C'est pas grave. Ah, oula, là, c'est pas bon, là, il veut me piéger, là. Quand il les fait pas long comme ça, c'est qu'il veut me piéger. J'adore la musique, putain de musique. Tu sais, je vais te la trouver de musique, je vais... Oh, je l'ai eu. Ah non, je l'ai pas eu. Oula. Oula, oula. Fuir, 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 fuir. Fuir, 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 fuir. Fuir moustache, fuir moustache. Oula, nom de deux, c'est pas fini. Oula. Tu as détruit mon armure de pierre, mais sous cette forme, tu ne peux plus m'atteindre. Merde. Je vais te détruire. Fuck. J'ai pas un arc? Oh, la musique. Oh, bon, bah, je vais continuer à courir comme un débile, alors. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher, écoutez. Ça a marché. Oh, 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 Norage. Aïe. Comment je fais pour toucher là, gros con? Tarlouze. Tarlouze. Ah oui, j'ai compris. C'est un peu évident. Bon, celle-là par contre, je pense pas que je puisse. Ah, salaud. Ah, les particules sont belles. Les particules sont très belles même. Qui émanent des boules. Oh, je voulais toujours la top spin. T'es juste devant moi là, c'est quoi ce troll? Putain, ça change même pas de couleur de lumière quoi quand il va tirer une bleue. Dans ses mains, je veux dire. On peut pas le deviner. Là, t'es trop près là. Oh, on joue au tennis, ping-pong, biatch. Non. Oh, la musique. Oh. Bon, c'est plutôt épique, hein, franchement. On va pas se le cacher. J'ai vu tant de choses incroyables durant tous ces siècles. Tous ces moments se perdront dans le bruit comme des larmes dans la pluie. Il est temps pour moi de rejoindre mon peuple. Il est mort? Bon bah Epic Queen. Héros, vous avez vaincu Zephyros. Bon bah Epic Queen. C'est pas la fin du jeu là quand même. Oh les enfoirés. Oh j'ai payé 10€ là. Non, il est 10€, bon c'est honnête hein. J'ai vu des jeux moins longs à ce prix là. Franchement je sais pas combien de temps on a joué. Peut-être 3h. Ouais peut-être 3h. Faut dire aussi il doit être moins long pour les gens qui sont pas cons comme moi. Moi je me suis quand même perdu hein, pas mal d'endroits. Donc bon. Mais sinon c'est quand même un jeu excellent. Ça change rien. Moi j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. C'était vraiment sympa le truc d'augmenter, d'évoluer dans le jeu. Et surtout la fin en fait. Qui m'a... Je sais pas, elle m'a... C'était pas mal. Heisenberg. Soin et décision biatch. Ok. Je peux passer ça. Mauvais coup, Zephyros. Bon. J'ai envie de laisser les crédits, donc il faut que je parle. Oui, donc le jeu était bien, mais surtout la fin qui a racheté, parce que juste avant la fin, là, ça me gonflait pas mal le truc, le système de rôle, là. Enfin, de tour à tour. C'était pas mal chiant, ça. Ça s'est vu, je pense. Inspiré par Diablo, ouais, bon. Et là, on faisait la Final Fantasy. Pas Pokémon pour le début? Même pas. Vous avez fini 82,6%. Bon, c'est honnête.
s'en tiendra à ça. ouais, je pense que le jeu paraît moins désagréable au niveau du tour à tour, parce que moi j'ai passé plus de temps, vous voyez déjà au début vers le village, je suis resté un peu bloqué. Vous avez gagné plusieurs actions pour revenir... Non, je vais essayer cette image magnifique. Déjà au début, ouais, j'ai perdu du temps, parce que près du premier village, là je trouvais pas où il fallait aller. Enfin, je savais pas qu'il fallait dormir dans le truc, du coup je me suis stuff sans faire exprès. Et enfin, j'ai loot. Non, j'ai pas loot d'ailleurs, c'est un mensonge, je me suis stuff, parce que j'ai gagné de la thune, bon. Quoi qu'il en soit. Et après, là, j'ai encore fait une connerie, là où je suis resté bloqué. Mais sinon, ouais. Bon. Je vais prendre une pause bien méritée avant de passer à l'editing de la vidéo qui va me prendre quoi. Attendez, on a fait 3 heures de vidéo, ça va me prendre 5-6 heures avec Frappe, qui s'est amusé à déconner un peu tout le long. Bon, moins à la fin, parce que je pense s'il l'avait fait à la fin, Frappe, je pense que ça aurait été idéalement placé pour qu'un écran finisse dehors. Mais... Non, vraiment bien, merci de m'avoir conseillé ce jeu. Ma foi, il était magnifique. Sur le principe, et la musique aussi était franchement magnifique, je dois avouer. Putain, la musique de fin. Bon, allez, salut.